vous, s'il vous plaît. On a tous envie de baiser, mais d'abord, on va travailler. Bonjour à tous. Salut, bienvenue pour les joueurs du dimanche. Aujourd'hui, nous sommes 5. On est avec Dina. On est avec de la musique trop forte. Hop. On est avec Rofellos. On est avec Marie Grangeux. Et on est avec Axel, ce putain de Axel PG. Là, c'est magnifique. Et nous, on n'est pas PG. Ouais, grave. Et vous, vous êtes évidemment magnifique à chaque Merci, fois. Merci, voilà. Vous Merci. Êtes plus belle l'une Merci. Que l'autre. Merci. Voilà. N'en fais pas des caisses voilà. plus, d'ailleurs. Ça transpire pas du tout la sincérité, ça me dégoûte. Vous voulez que je fasse un classement? Non, non. Et donc, non. aujourd'hui, parce que nous sommes 5 autour de cette table, on va en profiter pour faire des jeux qui se jouent plutôt à 5, ou en tout cas à plus de 4. Donc des jeux plutôt d'ambiance, des jeux plutôt courts, des jeux où on va rigoler. Donc on a pris des gens avec qui on a envie de rigoler. Surtout des Vous jeux allez bien ? Ça va très oui. bien. C'est ça pas va. Des jeux très experts, quoi. C'est des jeux où on réfléchit pas trop. Ah, je vais pas gagner, du coup, c'est ça. Comment je t'es content de t'accueillir. Nickel. D'accord. Et, alors, je vous le dis. Je vais être intenable. Je vous le dis directement. On est, je crois, tous très en forme. Oui, c'est vrai. Plutôt une bonne nouvelle. C'est assez rare. Mais ce qui va être intenable, voilà. ça va, tout le monde va se parler dessus en même temps, ça va être un enfer. Aujourd'hui, on va donc jouer, non pas à un, non pas à deux, mais à trois jeux. Oui. Et c'est pas une OP, on avait juste envie de s'amuser. C'est pas une OP jeux. Non, c'est pas une OP. Je fous là, moi. Ouais. C'est pour vous, encore une fois. Allez c'est pour vous. Mais tartine-moi, Rolf. J'attends, tu veux. Ok, on est parti. On va donc jouer à Ink It de chez Banquise Éditions. On va jouer à Stop Me or Let Me Go. Et on va jouer à Little Taverne. Little Taverne de ce cher Théo Rivière. Théo Rivière. Et Maxime Rambourg. Ah, et Maxime Rambourg. Rambourg. Mais Maxime Rambourg, le problème, c'est qu'il n'est jamais venu ici. Oui. Je ne le connais pas personnellement. On ne le connaît pas. Théo Rivière, voilà. Alors Théo Rivière, voilà. On sait. Alors, t'es en train de mettre des regards sur lui. Il a les poils verts comme ses cheveux. Sachant qu'en ce moment, il a les cheveux roses. Ah, et donc, du coup, ça a changé? Oh, ça va! Oh, ah. Mais oui, tu nous avais manqué, Rofellos. Mercredi, on a joué, t'étais pas là. C'est vrai? Ouais. Ça va, là. C'est marrant parce que moi, quand je suis parti mercredi de l'émission, ma femme me dit que c'est bien passé. Je lui fais ah ouais, putain, ça fait du bien de temps en temps quand il est pas là, le chauve. Allez! Putain, okay. C'était pas mal. Attends. Ok. Mais okay. tu leur as manqué, Rof, t'inquiète. Tu ouais, je vois le genre. Je dans vois le chat, les gens, pour te rassurer, ils disaient oh, on aimerait bien voir Rofello. Tu vois, tu leur as un peu manqué aussi au chat. Très bien. Bah, moi, je savais même pas qu'il y avait émission mercredi. Quoi? Comment ça, tu savais pas qu'il y avait émission mercredi? Non, il y a émission tous les mercredis. Évidemment, on t'adore. Rof. Tous les mercredis, on rappelle, jeu de société avec maintenant. Oula, ma poteau Marie Grangeux, je sais pas si j'ai je sais pas qu'il allait lui. C'est pas le bon bras. Parce que là on est à gauche, donc ça va. Ça va là, je peux. Ouais. Non mais t'emballes pas non plus. Détends-toi, frérot. Tranquille, tranquille. Ouais. Toujours, t'as toujours mal à l'autre épaule? Ça, enfin, ça va, mais viens pas là, quoi. Ok, voilà. J'irai ailleurs. Elle n'ira pas là. Elle n'ira pas là, par contre, elle ira peut-être sur le Discord des joueurs du dimanche. Puisque si vous cherchez des joueurs et des joueuses près de chez vous, n'hésitez pas à aller sur discord.gg/maxildan. Il y a des channels par région qui vous permettent de vous entourer de gens qui ont les mêmes passions que vous. Et ça, c'est beau. J'en profite également pour dire que ces jeux, vous pouvez les acheter chez Playin. D'ailleurs, le code promo devrait changer d'ici Oula. Peu de temps. Il va se passer des trucs. Vous allez voir que c'est plutôt cool parce que ça va un petit peu agrandir la collection de jeux sur lesquels vous pouvez utiliser le code. Et ça, ça va être très, très cool. En tout cas, ils ne sont pas au courant pour ces jeux-là. Mais oui. une fois que je leur aurai dit, ce sera bon. Donc là, si vous êtes sur Twitch, vous êtes baisés. Mais vous inquiétez pas, on va régler ça très, très vite. Et on va le régler de manière définitive. Est-ce en plus, ce sera encore plus simple. Est-ce qu'on peut aussi régler le micro d'Axel tant qu'on y est? Non, apparemment, je il ne est veux mute. Pas. Mais... Ouais, vas-y, parle. Ouais, bah, je parle. Hein. Où est ton boîtier? Il est dans mon cul. Ouais. Bah, c'est ça le problème. Ok, c'est bon, t'as tout pas. À deux ans, c'est peut-être pour ça que ça... Bah, t'étais mute, effectivement. Voilà. Voilà. Ah, bah, nickel. Voilà. Voilà. Donc, là, normalement, c'est beaucoup mieux. Là, je pense que vous m'entendez bien, non? Et là, même t'es trop fort, donc trop je vais te coup, baiser. Ouais. Je baise. Oh là là! Oh là là! Te baisser, te baisser un peu. Même pas volontaire. Ouais. Ah non, c'était pas voulu. Wow. Je vais vraiment te baisser. C'est le lapsus, voilà. Moi, mais lapsus, c'est quand je dis à Marie, je vais te baisser. On avait dit, on avait dit, on avait dit l'émission juste. Voilà. D'abord, on joue, d'accord. Rapide, ce Max. Oui, non mais vous avez vu, on ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je finis ma partie sponsor, évidemment, c'est important parce que c'est grâce à que cette émission existe. Donc achetez vos jeux, bien sûr, chez Playin, jeux de société, jeux de cartes, régalez-vous. Vous pouvez également aller jouer chez eux, il y a des tournois tout le temps, onglet événements, vous pouvez y aller. Et par exemple, vous pouvez parfois tomber sur nous, puisqu'hier, on était chez Playin pour faire un magnifique tournoi Magic, un tournoi dans lequel j'ai construit mon deck tout seul et où j'ai fait des meilleurs résultats que Rofellos. C'est vrai? La prochaine émission oh non Magic. Ouais, c'est...
C'est moi qui vous expliquerai comment jouer. Ah, voilà. Voilà, voilà. Tu voilà, sais voilà. que tu vas l'entendre quelques jours. Je suis tellement déçu de toi, Rob. Ah ouais, j'étais à la fois des derniers temps. Mais oui, l'Orcana. Ça va, l'Orcana, je vais être top 8. Je pourrais peut-être prendre ta retraite, là, Rof, en fait. Je peux pas être focus sur les jeux quand j'ai à côté des distractions. D'accord. Il s'entraîne plus sur les culs que sur les cartes. Excuse-moi, hein, pas problème. Appeline, hein. Tu vas me dire qu'il y avait des distractions. Mais il y avait encore ton aura là-bas. Ah, ouais. Ah oui, d'accord. Oh là 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 là, quel bon, connard. Bref, j'étais à la fois partagé entre le seum d'avoir perdu et en même temps, en vrai, non, je m'en foutais parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tournoi sans enjeu. C'était un petit AP, trois rondes, etc. J'ai construit un petit peu à l'arrache. Je suis arrivé just. J'ai joué contre des adversaires sympathiques. Quand ils me disaient, ah, du coup, je peux revenir en arrière, je te demande, mais vas-y, frérot, tranquille, mets-toi 5 points de vie de plus, je m'en fous. Ah, mais d'accord. Et du coup. T'en avais vraiment rien à foutre. Pas jusque-là, mais vrai vraiment, vraiment en mode. On parle chill, du mec qui a inventé le rough back quand même. Hein. C'est, ouais, vrai, vrai, c'est vrai. Et donc, effectivement, je fais pas un bon résultat. Et je vois à côté mon Max qui arrive à faire 2 victoires, 1 défaite, ce qui est très bien pour un joueur de son acabit. Et j'étais en fait plus content pour lui que. Pas content pour moi. Oh, non, sans mal, bien sûr, mais encore une fois, pareil, on a rencontré des joueurs extrêmement sympathiques, bonne ambiance, vraiment, ça donne envie d'en faire plus souvent. Et je crois que c'est ce qu'on va faire. Nice. Évidemment, protégez vos jeux avec du Game Genie, que ce soit les Dexbox, et... les sleeves, peu importe, tout ce qu'il faut pour que vos jeux durent longtemps. D'ailleurs, vous allez voir, il y a des jeux où il y a des cartes qui se mélangent un petit peu ici. Donc là, comme on va les jouer qu'une fois, ça va aller. Oh, en vrai, il y a un monde où on les sleeve, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, peut-être on va les sortir. Il faut absolument, ouais. Parce que maintenant qu'on a des acquaintances avec Game Genic, ouais. Qu'on leur propose de faire un préservatif Game Genic. Pourquoi ? Avec marqué format standard dessus. Un truc comme ça. Franchement, à quel moment il faudrait... Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais en plus, tu peux mettre standard. Tu peux mettre. Et pour dire protégez-vous. Ouais, protégez-vous. Et il veut se sliver. Ça part d'une carte. Slivez-vous. Ça finit sur. Ouais, mais non, c'est pas ce qu'il a dit protéger. Des fois, j'aimerais être dans... Ah, c'est pour ça. Déjà, des fois, j'aimerais être dans ta tête pour savoir comment t'as fait le rapprochement. Mais oui. Ah, tu veux pas être dans sa tête parce qu'actuellement, il se passe des trucs terribles. Je suis déjà un peu dans ma tête. Oui, non, mais je veux pas savoir. Regarde, j'ai mis un t-shirt spécialement pour toi aujourd'hui. Je sais pas si vous arrivez à lire. Un petit message subliminal. S'il y a déjà des gens dans le chat qui l'ont dit. On voit pas le message. Je préfère qu'on reste amis, c'est ça ? Oui. Avec un petit cœur d'un côté et un doigt de l'autre. Voilà, c'est des copines, peut-être tu les connais, c'est des anciennes collègues de chez Play-In qui sont venues à mes 30 ans et qui m'ont offert ça pour mes 30 ans. Elle m'a dit, on pense que tu en as besoin. Ah ouais, c'est chaud là. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était très bien aujourd'hui pour, avec toi. Ça peut être une belle barrière ça, je préfère qu'on reste amis. Oui. Mais comme je t'ai déjà expliqué, être ami n'est pas une barrière. Du coup, on restera amis quand même, il n'y a pas de problème. Elle m'a montré le t-shirt. Elle m'a dit, regarde, j'ai amené ça pour faire fermer sa gueule à Rof et tout. Je lui ai fait, c'est bien tenté, mais je sais déjà ce qu'il va te répondre. Il va dire, mais depuis quand être ami empêche de baiser? Mais évidemment. J'allais même dire, c'est même encore mieux comme ça. Pas de prise de tête. C'est une belle tentative, mais ça ne marchera ça marche pas. Mais j'essaye tous les jours de nouvelles tentatives. C'est bon, tu peux le retirer du coup. Tu sais, j'ai un autre t-shirt en dessous. Ah, c'est vrai que t'as froid, toi. Ouais. On a froid. Et non, j'ai pas de transition sur ça. Sachez juste que vous pouvez également revendre, évidemment, vos cartes à l'unité sur Card Market, surtout quand ça vaut un peu de pognon. On est quand même content de pouvoir revendre. Et derrière, oh, de l'argent, je peux racheter des displays chez Plin. Hop, la courbe est folle. Sur ce, et si on jouait ? Alors, par quoi on commence ? Par contre, bon, c'est Marie qui décide, c'est elle qui gère les jeux de société sur cette chaîne. Waouh. Moi, je terminerai bien par ça. Ok. Allez, on commence par ça. Allez, parce que pour la blague, on n'a rien à faire. C'est elle qui gère, c'est la patronne, voilà. D'accord. Okay. Attends, c'est Alexis, je pense. Ouais, c'est clair. Tu lui as dit un shoot un peu autoritaire, je pense qu'il est en mode... Ouais. T'emballes pas. Ça, il a chaud, là. Heureusement que la table est solide. Bon, d'accord, on finit par ça. Ok, on va peut-être commencer par Little Tavern. Tiens. Allez, c'est tranquille, en plus on peut en foutre partout. Exactement, parce que Little Tavern, l'avantage, c'est moi qui fais les règles aussi ou c'est toi qui fais les règles aujourd'hui? Comme tu veux. Ah non, bah, peu m'importe, je connais les règles. Allez, vas-y. Ok, et bien chacun, je vais vous donner une petite table, ok? Et deuxièmement. Pourquoi je vais que des shops, moi? Je t'échange. Tu veux boire et lui poignarder les gens? Ouais, ça me parle. Ça, c'est une petite tête de jeu si jamais vous avez besoin. Okay. Et ensuite, je vais faire la mise en place de ce jeu. Ah, mais c'est... comme de la merde. Ah, c'est sympa. C'est comme ça que ça a été vendu. Voilà. Belle mise en place. C'est fait pour. C'est bon, on peut jouer au jeu. La mise en place est
faite. Excellent. Wow. Ok, c'était non, rapide. C'était très long. Hein. Je vais quand même vous expliquer. Je vais être un tout petit peu chiant avec toi, Anne-Marie, pour des questions de beauté de cette émission. Ouais. Tu vas dégager. Non. Non. Je vais te demander d'avancer un petit peu ta table. D'accord. Pour qu'on la voit bien. Voilà, merci, c'est tout. Ça, c'est. Il n'y a pas de souci. Dans Little Tavern, on est des taverniers et on va essayer d'appâter les meilleurs clients à notre table. Voilà. Ouais. Pour le moment, au départ, il n'y a absolument personne. Et donc, l'idée, c'est de préparer la meilleure table possible. Et pour cela, vous allez avoir des elfes, des nains, des gens qui sont amoureux, cœur, love, love, des gobelins, des sorcières, des nobles et des aventuriers, aventurières. Chacun a des manières de scorer différemment. Vous avez une petite carte aide de jeu qui est assez bien faite où vous avez exactement tout qui est récapitulé. Bah, c'est bien pour une carte aide de jeu. Et, hein, elle est bien faite, il y a vraiment c'est marqué. C'est bien de dire quand c'est bien fait, parce qu'en fait, avec ça, j'ai quasiment même pas besoin de vous expliquer les règles du jeu. Hop là. Comment ça va se passer ? À votre tour de jeu, vous allez prendre une carte au hasard au milieu de la table et vous allez la regarder. Là, par exemple, je pioche Camille, qui est un amoureux. Donc, on sait que les amoureux, il faut qu'on les mette à deux ensemble à la table. Forcément, c'est un Camille. Mmh. Première possibilité, soit je le mets à ma table et il est content, il vient avec moi et je vais essayer d'avoir un deuxième amoureux. Mais je peux aussi l'envoyer sur la table de qui je veux. Je peux très bien dire, tiens, Rophélos, ouais. Je te donne un amoureux, mais il faudra que tu en aies un deuxième. D'accord. OK. Et dans ces cas-là, vu que je t'ai donné la carte, c'est Roph, ça sera à toi de jouer. D'accord. Si j'avais décidé de garder la carte, je rejoue. Et le tour se termine quand tout le monde a 4 personnes à sa table, puisqu'on va pouvoir y aller compléter notre table comme celle-ci. Okay. Et dès que tout le monde a 4 personnes à sa table, la manche s'arrête, on compte les points. Le premier arrivé à 25 remporte la partie. Okay. Si c'est jamais tu veux mettre les 4 mecs à ta table et après passer le tour, c'est bon. Oui, okay. Tu peux parce que tu vas forcément en piocher un cinquième et ensuite tu vas le donner. D'accord. Mais il y a un twist. Il y a des cartes événements, les petites cartes qui sont ici, qui sont des cartes qui vous permettent d'échanger des gens, de voler des gens, etc. Vous ne pourrez, bah bravo, la surprise. Coucou, c'est moi. Donnez un personnage de votre table ou prenez un personnage d'une autre table. En fait, de base, quand on vous file des persos, vous êtes un peu baisé. Vous allez faire avec jusqu'à la fin de la partie. Ouais. Et c'est les cartes événements qui vont amener le fait que, ah, en fait, surprise, j'ai pas ce personnage, j'en ai un autre. Voilà. Mais tu peux continuer l'explication, je préfère. Non, Marie fait ça très bien. C'est vrai. Mais pour ça, il y a une petite condition. L'événement, pour le prendre, il faut au moins que tout le monde ait un personnage à sa table. D'accord. On ne peut pas prendre les événements si tout le monde n'a pas un perso à sa table. Et ensuite, ça nous coûte de l'argent. Quand on prend un événement, on va aussi donner une pièce à quelqu'un. Par exemple, je vais donner une pièce, sachant que les pièces, c'est aussi les points de victoire. Une pièce, c'est un point de victoire. Mmh. Je peux le donner à Axel et du coup, en fait, je lui donne la main. C'est lui qui va aller piocher la prochaine carte. Okay. Avec l'événement, en fait, vous perdez la main. C'est un à chaque fois, c'est ça ? Un événement, ça vaut un ? Oui, tout le temps, un. D'accord. Ok. Il y a et vous allez voir que on va voir au fur et à mesure un peu ce qu'ils font. Ça sert à rien de vous dire tous les. Oui. J'ai montré un petit peu la carte, mais je me doute que vous n'avez pas tout lire comme des glands. Par contre, ce qui est possible effectivement, c'est que attends. Oh. Tu vas mettre la carte sans quelque part. Peut-être essayer de me buter. Alors je attendez, laissez-moi une seconde, d'accord. Eh bien, pendant que c'est là, je vais juste vous dire que il y a une carte dans le jeu. Vous allez voir que les gobelins, les cartes vertes, on veut pas du tout les avoir. Les gens. Ils font vraiment n'importe quoi. Mais il y a Jean-Jean. Jean-Jean, c'est le roi des gobelins. Et vous allez voir que Jean-Jean, eh ben, on a envie de l'avoir. Mais il n'y a qu'un seul Jean-Jean dans tout ça. Il n'y en a qu'un seul dans tout ça. Surtout, oh là, ouais, d'accord. Parce que Jean-Jean, si vous avez des gobelins avec lui, il va vraiment faire plein de points à votre table. Et du coup, vous aimez bien Jean-Jean, mais il n'y en a qu'un. Ok. Je vais vous proposer un truc. Regardez, imaginez que dans un monde merveilleux, on fasse un truc comme ça. Est-ce qu'on commence avec des pièces ? Oui, 3 pièces. Tu veux déjà des thunes, toi. Ah bah. J'allais. Donne l'argent. Ah oh mince, oh, oui. Je t'ai un peu trop donné, Dina. 3. Le reste, tu peux le donner à Max. Je transfère. Et donc, le premier arrivé à 25 points remporte la partie. Voilà. Je crois que ça marche à peu donc près. Donc, ça, c'est un point, Marie, du coup. Pas trop mal. Oui, exactement. Là, t'as déjà 3 points. Okay. C'est juste trop lumineux. Le Rex, ouais. Mais ça. Voilà, très bien. On gère. Voilà. Je crois que c'est pas mal. C'est cool. Il y a Marie à côté. Marie, un ancien cadre. Oui, mais franchement. Ça va. Ça rentre bien. Le cinquième joueur et il est assez rare pour que je me fâche pas chier à faire plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Exceptionnel. Je suis rare, ouais. Exactement, c'est un Pokémon rare. Les amis, on a tous 3 pièces. Je vous invite à commencer à partir. Allez. Qui joue en premier ? C'est celui qui a expliqué les règles à cette table. Ouais, c'est toi, Marie. On va voir, parce qu'en plus, ce genre de jeu, ils aiment bien faire des petits. C'est celui qui s'est soulé la gueule le dernier.
Auquel cas, ce serait Marie Granger, bien sûr. je ne sais pas comment. Non, mais bah, ils disent rien. C'était pas au début, là. J'ai vu désigner. Donc, désigner au hasard un premier au joueur. Au hasard oh, bah, c'est limite. C'est décevant. Ouais, un peu. Ouais. Je sais pas. C'est peut-être le côté joueur de cartes de Théo Rivière qui a dit non, mais merde, tout ça. Bon. Alors, si ça avait été le joueur de cartes de Théo Rivière, il aurait fait deux piles, d'accord. Il aurait fait une pile personnage, une pile événement. Parce qu'on est d'accord, Marie Granger, qu'en fait, récupérer celui-là ou celui-ci, c'était une pile de personnage, c'était pareil. Mais bien sûr, mais c'est juste pour te dire que c'est juste que c'est trop bien de dire on jette et c'est parti. Et c'est pas le hasard de la pioche. Tu vois, la pioche, tu prends la première de la pioche. Là, tu peux choisir. Oui. Tu peux t'en vouloir à toi-même d'avoir pioché celle-là. Ne réponds pas à ça. Ne réponds surtout pas à ça. Elle est perdue, d'accord ? Laisse-la. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que un des précédents jeux de Théo Rivière, c'est Sea Salt and Pepper. Oui. Et que le principe de Sea Salt and Pepper, c'était mélange, pose, joue, c'est parti. Minimaliste, c'est bien. Ils se sont dit, est-ce qu'on peut faire une mise en place encore plus simple et rapide ? Eh ouais. Bam, je jette les cartes. Ouais, ouais, ouais. La preuve, oui. Bah, GGTO. Très bien, je viens de procher. De procher. De ouais, piocher. C'était dur la nuit. Hein. Mais non, mais c'est parce que c'est prof. 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 Non. Ah ouais, c'est prof, mec. C'est vrai, en fait. Mais et tu. T'as lu ça? T'as pas pensé à moi? Non. Il y a une lettre de Carmel. Il s'appelle prof, le truc. Elle m'a à côté, elle me regarde. Je suis pas comme toi, je suis pas omnubilée par toi, désolé. C'est un nain? Pardon. Ah merde. Bah tu devrais. C'est Rof. Bah, ah bah c'est un nom, bah, c'est approprié. Zoom sur Rof qu'on voit. Bah, ah bah non. Là maintenant du coup que j'ai fait ça, le seul moyen de zoomer c'est de vous le montrer ici. C'est Rof. Et voilà Rof. C'est Rof. C'est quoi son petit texte d'ambiance? En même temps il te ressemble pas des masses. Hein. Ouais. Bah, c'est quoi texte d'ambiance? D'où venez-vous? Racontez-moi. Ouais, bah, ça pourrait être une de tes phrases. Il va rester à ma table. Alors pourquoi? C'est un quoi lui? C'est un nain. Je l'aurais donné à Rof. Chaque nain apporte un par clan différent à sa table. Ok. Je viens de piocher le roi. Et bah, le roi, je vais le garder à ma table aussi, c'est stylé d'avoir le roi. Ça va, tu t'amuses bien deux fois là. Alors, ouais, elle a dit. Comme c'est les premiers tours, on va, Enfin, je comprends pas. Ralentir un tout petit peu le fait de parler tous en même temps. Deux, on va effectivement prendre le temps de lire correctement les effets de chaque personnage. Donc, tu l'as dit, les nains, ils rapportent un par clan différent à la table, son clan y compris. Donc, lui, en tant que nain, je sais que déjà, j'ai deux points parce que j'ai le roi. Les nobles, ils sont bien parce qu'ils rapportent 5 points, quoi qu'il moins un. Moins un par autre noble dans la taverne, et la taverne, c'est... D'accord, tu veux qu'il y ait le moins de nobles possible overall. Exactement. Ah, ok. Axel, en fait, ouais, elle l'avait bien dit. Tant qu'elle passe pas un personnage à quelqu'un, elle continue à jouer. Ok. Si je joue toute seule... Mais au bout d'un moment, elle aura plus de place. Oui. Je viens de piocher Lagertha. Lagertha, c'est une aventurière à 3 points. C'est pas ouf. Et du coup, je vais la donner à Rof. Ah bah bravo. Bah même elle a pas l'air de skiffer. Donnez-moi une fois, elle a l'air de faire la gueule un peu comme toi, elle va bien dans ta... Porte mon trésor la routine. Ah bah oui, c'est vrai que je suis vraiment le mec qui fait la gueule quoi. Ouais. Ouais. Très bien, je la prends quand même. Avec bah c'est vrai que c'est vraiment le mec qui fait la gueule. Je vais piocher une carte au hasard. Ah peut-être pas celle-là, peut-être celle-là. Exactement, tu vois. Ok, oh bah j'ai Camille moi le mec de tout à l'heure. Donc c'est un amoureux, lui, chaque roman... Avant que tu fasses la moindre blague, j'en profite pour vous dire que... On va probablement reprendre sur cette chaîne le fait de faire des best-of et des formats verticaux, etc. Ah. J'ai notamment besoin, pour que ce soit le plus qualitatif possible et le moins cher pour moi concernant, que vous fassiez des clips à chaque fois qu'il y a des trucs qui vous font rire ou que vous trouvez intéressant. Parce que les modos ne peuvent pas tout gérer tout seul. Donc pensez-y, pour ceux qui nous regardent sur Twitch, dès qu'il y a un moment qui vous marque un peu, où vous dites ça pourrait être marrant dans un best-of, baf ! Vous vous envoyez un petit clip, vous mettez un titre au clip, ça nous aide. Et si vous faites ça, vraiment, ça me ferait tellement plaisir. Bah, dès que je parle, quoi. Wow. Peut-être, si t'es très drôle, ouais. Peut-être. Voilà. Ok, en vrai, avec le début de l'émission, il y a déjà... Dès que je le rembarre. Il y a de quoi faire trois best-of avec le début de l'émission. Marie rembarre, Rofelos, le best-of. Ouais, ouais comme ça, ça peut être une bonne chose. Il y a moins de faire une vidéo c'est la compil juste le Marie de Félos. Fois où tu le rembarres. Marie dit non. Sur ma barre. Bon, Camille, qu'est-ce que je fais avec Camille? Chaque autre romantique rapporte 4 si au moins un autre romantique est à sa table. Attends, chaque romantique rapporte 4 si au moins un autre. Moi, il faut deux romantiques et avec deux romantiques, j'ai 4. J'ai l'impression, excuse-moi de strater un petit peu sur un jeu. Oui, la base, c'est de prendre 4 par personnage. On a. Si tu veux une bonne table, c'est 4 par personnage. Si t'es en dessous, t'es un peu en dessous. Si t'es au-dessus, t'es content. La 3 parce que c'était moyen, c'est ça? Ouais. Toi, prof, tu as. Chaque nain rapporte un clan. C'est pas prof, hein. Prof. C'est prof, pardon. Prof, ouais. Ça va faire des par clan différent à sa table, donc c'est relou. Et noble, tu veux... En fait, ok, d'accord, ça marche. Moi, je vais donner ce cœur à Dina.
J'en étais sûr. C'était sûr et certain. Allez, vas-y, accepte donne. Accepte-tu mon cœur. Bah, j'ai pas le choix. Aye. Non, je l'en veux pas, mais j'ai pas le choix. Écoutez-moi ça, monsieur le juge. Et là, je suis obligée de le mettre à ma table. Ouais, t'es obligée de le mettre à ta table. Et après, c'est à toi de jouer. Tu prends ce que tu veux et tu le donnes à qui tu veux. Allez, mais faut que toi y compris. Faut que je trouve un couple pour Camille. Allez. Il y a quatre romantiques. Jean-Denis, ce n'est pas Jean-Jean. Moi, je voulais Jean-Jean. Ouais, les nains, en fait, ils ont tous des noms. Les gobelins. J'ai dit quoi, les nains ? Ouais, les gobelins. Ouais, gobelins. Et il y en a un, effectivement, qui est un petit peu particulier. À qui tu donnes ? Jean-Denis ? Ah bah, pas à moi, ça c'est sûr. Je vais te le donner, Maxildan. Je trouve que vous avez un air de famille. Ah. Je suis Jean-Denis, donc de base, je vaux rien. Je suis une petite salope, mais si Jean-Jean arrive, alors je me régale. Ah oui. Oui, mais bon, good luck. T'es sûr que la moyenne, c'est 4 ? J'ai l'impression que la moyenne, c'est plutôt un peu moins. Non, 3,5. C'est plutôt 4-5 quand même. Ah ouais ? Bah, du coup, Jean-Jean est pas ouf. Jean-Jean. Jean-Jean en fait, au max, rapporte 4 par gobelin, lui compris. Si, 4, la 4, bah, ça fait 4 c'est fois bien. 4, 16. Hein, quand même. Si bah oui, mais si c'est la moyenne, elle est un peu plus. Non, la moyenne, c'est 4. Mais y a, c'est, de y a temps en temps, tu peux 5. Maxer à 5, tu vois. Ouais, d'accord. En fait, dis-toi que quand on t'a pourri ta table avec que des gobelins et que t'arrives à y foutre Jean-Jean, t'es en mode. Content, ouais. Ouais. Bon. Ok. Tu passes de 0 à beaucoup plus, pardon, excusez-moi pour la. Excuse-moi, la manche s'arrête quand tout le monde a des. Quand tout le monde a rempli sa table. Point. Oui. Jean-Charles eh ben. Est-ce que tu pars sur un play Allez Max, le beau jeu. C'est chaud quand même, parce que pour trouver Jean-Jean... Non, c'est la strat, Marie. Bien sûr, tu dois le faire. Tu vas fermer ta gueule. Non hein. Je veux pas de Jean-Charles. Je veux un amoureux pour Camille. Camille. Vas-y, bah du coup, c'est à toi. Tu t'amuses bien, Axel ? Oh, bah, c'est un plaisir. En fait, alors j'explique pourquoi je l'ai pas donné à Axel. Parce qu'une fois que j'ai donné à Axel, on peut prendre les cartes événements. Donc je suis en mode tranquille. J'ai je sais pas comment prononcer ce mot. Geldwind. Alors chaque elfe rapporte un par elfe à sa table, lui compris. Et ben je vais donner Geldwind. C'est pas ouf c'est les elfes. Non, parce que si t'en as deux, il va le 2, tu sais, c'est un multiplicateur 3, ça veut dire que 4, il va le 16. Et 4, il va le 16. Ouais. Oui. Allez, Axel, tu voulais jouer. Tiens, merci Dina. Si t'en as 4, il va techniquement 4. Oui. Chacun. Oui. Et du coup, c'est sympa. Oui, mais c'est... Moi, j'ai fait des parties où j'ai fait beaucoup de points avec les elfes. Hein. Très bien. Parce qu'il y en a 10, donc ils sont. Moi, je pense que votre 4 par. Ouais. Et bah, après Frof, oui, ah. J'ai Erof. Et oh là là là, c'est tous des Erof, les nains. C'est tous des Erof, en fait, c'est oui, ça. C'est tous des Erof. Bien. C'est y a Prof. Mais alors, c'est Théo qui a fait ça pour moi. Enfin, je prends. J'ai un petit doute sur ça. Envoie-lui un message. Rendez-moi mon tabouret. Ok. Envoie un message. Qui va te dire non. Qui êtes-vous? À qui tu donnes ce Erof? Bah, Erof. Bah, non, à Marie. Ça me ferait plaisir d'avoir ça. Bah, si, ça te fait plaisir, Marie. Quel dommage. Moi, je pense que t'aimes bien Erof, tu vois, donc voilà. Bah, du coup, moi, je vais prendre un événement. Celui-là, ouais. Merci. Tu dois payer ou pas? Rassemblement. Choisissez un clan présent à votre table. Chaque joueur défausse un personnage de ce clan, si possible. Je choisis le clan d'Erof. Et au revoir. Mmh. Oh là là. Tu préfères Erof ? Non, tu préfères Frof que Erof ? Ouais. Rendez-moi mon tabouret. Et je dois donner une pièce à quelqu'un. Je vais la donner à Maxildan. Et merci. Du coup, Maxildan qui rejoue. D'accord. Ok. Hop là. Et j'ai Aqua. Aqua est une sorcière. Oh. Les sorcières, elles marquent parce que chaque sorcière rapporte 2 plus... un par autre sorcière dans la taverne. Donc, c'est l'inverse des nobles. T'as envie qu'il y en ait plein dans toute la taverne. Fort, hein. Ok. Ça peut être très fort, ouais. Oh, le jeu. C'est quoi le nom du jeu ? C'est quoi, je la prends ? Y a pas un... Le nom de quoi ? Quelqu'un demande le nom du jeu. Je sais pas si on peut le foutre quelque part. C'est A Little Tavern. Ouais, très bien. Ça va ? Ouais, super. Attends, regarde. Et voilà. Mais j'ai l'impression que ça crée une séparation. Bah, ça me va. Personnellement, ça ne me dérange pas. Ou sinon, on donne. Voilà. Peut-être encore plus clair comme ça. Ah. Prenons-y. Je me sens plus froid. Alors, une aventurière. J'ai Haruka. Haruka est donc une aventurière. Chaque aventurière rapporte flat, autant de pièces qu'indiquées sur la carte. C'est bon. Flat, ouais. C'est bien, 4 points. 4, c'est pas trop bah, bon. Elle est mieux que la Gerta, là. Je la prends. Oui. Allez. Je rejoue. Et moi, je m'abuse bien. Je sais pas vous, mais je passe un super moment. Hop. Et là, j'ai Samantha. Samantha, c'est la pire. Deux, ça pue. Mais elle est badass. Samantha, elle donne moins envie. C'est-à-dire que. Bon, on va pas citer tous ses défauts, mais c'est compliqué. Je vais la donner à. Marie, du coup. Je vais la donner à la personne qui ressemble plus à Samantha. Non, non.
Bah elle est blonde. Et il allait dire moi. En fait. Non, il allait dire. Mais elle est musclée. Tu trouves que tu ressembles à ça, toi? Mais juste parce qu'elle est blonde. Bah non, elle a les bras d'Axel, ça va. Allez, je suis content. J'ai envie de crever, je sais pas dans quoi j'enlève là. C'est vrai qu'elle est pas ouf ta table pour le moment, Axel. Je veux pas. Ouais, bon, tranquille. C'est vrai qu'il y a un elfe bourré et une alcoolique avec un seul bras. Eh bien, j'ai AR. Ah bah moi je veux bien. Ah oui, mais je vais la garder. Dommage. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait bien. C'est 2 points plus 1 par haute sorcière dans ma table. Là, elle est déjà à 3. Elles valent 3 chacune. Déjà 3 chacune. Ça marche. C'est 4 haute sorcière. Non, 3. 2 points plus 1 par autre. Ouais. Bah, y en a 2 là. Par autre. Autre. Ah, autre, ok. Ok, je ne parle pas bien français, c'est ok. Ça, c'est un jeu difficile. Hein. J'ai envie de la garder aussi. Et qui? Ah ouais. C'est qui, ouais. C'est quoi? Rexizine. Une elfe. Une elfe. Ça, une elfe Maximus. Qui, du coup. C'est un par elfe à ta table. Je ferais 2. Ouais. Si tu pars sur les elfes, oui. Aussi, en vrai, hein. Je pense que Max, ça lui ferait plaisir. Ouais, ouais, parce qu'il a presque sa table complète. La table, elle est pas ouf du coup. Ça me va. On va donc prendre un événement. Ouais. Pour essayer de changer les choses. Et l'événement, il me dit: coucou, c'est moi. Donnez un personnage de votre table. Et ou bah, prenez génial. Un personnage de votre table. Là, tu peux pas prendre de personnage. Non, je peux pas prendre. Oh, Jean-Denis. Où est-il allé, Jean-Denis? Je me pose la question. Oh putain, ça me donne envie. Il y a un petit Jean-Charles là. Bah moi ça me va si je touche Jean-Jean après. Ouais. Bon, je pense qu'elle touchera jamais Jean-Jean. La proba est quand même. Je toucherai Jean-Jean. Vas-y, Ah, attention, Rof qui va se renommer Jean-Jean dans quelques années. C'est ça. Allez, Jean-Jean. Non, tu dois donner une pièce à quelqu'un. Ah, à n'importe qui? Oui, c'est un point de victoire. Mais tu m'as donné Jean-Denis. C'est vrai que je lui ai donné Jean-Denis. Moi je te l'ai donné, hein, regarde, tu repasses à 2. Donc si tu me la donnes à moi, ça ferait 3 à tout le monde. Oui, mais Marie, elle a déjà un point. Moi j'ai aucune stratégie. Après, tu m'as donné Samantha aussi, tu vois. C'est. T'es un off. La personne. Mais il mérite pas. Je fais ce que je veux. Ouais, c'est vrai, tu fais ce que tu veux. Donc attends. Moi je ne bride pas sa liberté, contrairement à moi. Moi je prends un Jean-Denis et je ne joue pas. Ouais, c'est dur la vie. Et du coup, c'est moi qui joue. Oui, bah oui. Ah. En plus, t'as plus de points. Merci Max. Je pense qu'il saura se souvenir oui, tout de ce geste. Moi, oh, j'ai un Jean-Eude. Bah toi qui voulais plein de gobelins. C'est pas grave, j'aurai Jean-Jean. Je vais l'avoir. Excellent. Et bah là, faut que tu joues un événement. Jean-Jean. Oui, je vais jouer un événement pour commencer. Ah, il faut remplacer Jean-Jean par Camille par Jean-Jean. Alors, client mystère. Piochez un personnage, regardez-le et placez-le face cachée à une table. Il ne sera révélé qu'en fin de manche. Ouh, ça va être très chiant. Ça va pour toi. Non, du coup, ce sera pas pour moi. Alors, j'en prends un au hasard. Merci pour les subs, les triste, amis. C'est triste. Pensez à Camille quand même qui se retourne. À une table où il y a 3 gobelins. Camille, il voulait une amoureuse. Pas ouf, 3 gobelins. Hein. Merci à Capafou, merci à Supermax, merci à Rictus, merci à Mutant du 60, merci à Franmousse, merci à T0. Bref, non, c'est bon, j'ai tous fait. Je vais donc offrir à Marie Grandjeu cette carte mystère. Elle est incroyable. Ça match avec ton jeu. Okay. Ah, bah c'est bien. Ouais, c'est des cadeaux, je pense que c'est un beau gobelin. Et il faut que tu donnes une pièce à quelqu'un. Oui, tout à fait. Alors tout le monde a... Tu as déjà passé un super personnage. Oui, mais moi j'ai que 2 en France. Ouais, c'est vrai. Merci. Allez, tiens, Marie. Oh là là, c'est con, tu t'es fait manipuler. Mais non, t'inquiète. Comme un moi, je vais piocher. Ah, merde. Tiens. Viens, Jean-Paul. Oh, putain. Avec tout mon amour. Très bien. Mais moi, je vais forcément finir avec cette table, du coup. C'est non. Plus à moi de jouer. Sauf s'il y a des événements. Sauf s'il y a des événements et qu'on te donne une pièce qui te permet de jouer un événement qui blablabla. Ah, d'accord, ok. Je vais mettre personne un va faire ça, drop. Un drop. Bon, par contre, c'est vraiment, ils sont tous Je vais faire une petite photo pour... Avec tous les nains. Non, mais par contre, je pense sincèrement que ça n'a aucun rapport avec toi. Hein. T'emballes pas, hein. Ah, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de raison. En tant que nain, je ne suis pas spécialement petit. Je ne suis pas spécialement bourru comme un nain. Oui, non. Appelle Rof. La barre. Il cherche pas spécialement l'or. Par contre, qui est en ton cœur. Par contre, qu'est-ce qu'il creuse. Ok, c'est parti. Ah, j'ai un autre off. J'ai un off. Alors du coup, Arof, on est d'accord que lui, il veut plein de clans différents. C'est vrai qu'ils sont tous Rof. Je savais pas capté que. Bah, ça doit être. Je pense que c'est quoi. Arof, Brof, Crof, Prof, Drof et Rof. Et Frof, donc. Et Frof. Donc, il a pris les 5 premières lettres de l'alphabet. Ah, mais du coup, il y en a un de plus, je pense. Il devrait y avoir. Il y a quoi après l'F? Grof.
Parfait. Et Grof, voilà. Ok. Il a dit, il y a quoi après le Marie, ça t'intéresse ou pas ça non. Pas trop, hein. Non. Ouais, t'as... Mais sois cool, du coup. Je vais... Bah, carrément. Je vais plutôt le mettre à Marie Granger. Ouais. Ah, bah, non, c'est vraiment que t'allais être gentil. Quoi? Bah, oui. Depuis tout à l'heure, tu es méchante avec moi. C'est clair. Pardon? Ah, oui, je confirme. Tu cèdes à aucune de mes avances. Oui, pardon. Et ça changera pas. Allez, je vais prendre un événement. Allez, vas-y. Je vais créer une corde pour les clips, mais on n'a pas les droits. Putain, allez, Dream, je vais te donner tous les droits que tu veux, frère. 1, 2, 3, tournez. Choisissez un sens et comptez jusqu'à 3. À 3, chaque joueur prend un personnage de sa table et le place à la table de son voisin de gauche. Ok, mais attends, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je vais décider de tourner dans ce sens-là. Il faut que tu te fasses une tasse pour Jean-Jean. Ouais, tout à fait. Attends. Choisissez un sens, comptez jusqu'à 3. À 3, chaque joueur prend un personnage de sa table et le place. Ah oui, donc on sait même pas ce qu'on va prendre et après on va le balancer. Voilà, okay. Et bah du coup, moi je sais ce que je vais prendre. Et après, je donnerai ma pièce à Dina et du coup, Dina sera. Ah, merci Marie. Allez. Ok, d'accord. Ok, vous donc, avez tous... on va lever la main et on dit à 1, 2, 3, on cible notre carte. Puisqu'une fois qu'elle est ciblée, on sait déjà qui on va la donner. Ça, c'est on va la passer à gauche. Je dis à gauche. Comme ça, bah comme je veux ça. Pas que tu me passes Jean-Paul. 3, 1, 2, 1, 3. Ok. Tiens. Ma table, elle est remplie de gens. Mais pourquoi t'as donné Camille? Mais parce que je reste lui avec. Faire une place pour Jean-Jean. Si elle, voilà, je reste pour Jean-Jean. Pour ah oui, Jean-Jean. Là, il y a full gobelin, quoi. Bah là, il y a zéro point. Il y a full zéro. Ouais, mais si elle trouve Jean-Jean. J'avoue que si jamais elle trouve Jean-Jean. De toute façon, Camille, il me rapportait zéro pour l'instant. C'est vrai. Aussi. Donc, c'est vrai. Voilà. Du coup, tu piffes un événement? Alors, bah, du coup, je vais aller sur l'événement, oui. Chaise musicale, échangez un personnage de votre table contre un personnage d'une autre table. Ouh là là, c'est dommage que Jean-Jean il soit pas. T'aurais pu récupérer ouais, un Jean-Jean. Ouais, ouais. Alors, du coup, qu'est-ce qui rapporte? Bah, je pense que je sais. Je vais donner Marie Grandjeu. Oh, je croyais qu'on était copines. Parmi là tous les gens de ma table, lequel préfères-tu? Oh, mais pourquoi moi? Tu veux Jean-Denis, Jean-Eudes, Jean-Charles? Je te laisse le choix, Marie. Ou Jean-Paul? Quand même. Bah, le plus beau gosse. Bah, ah, c'est ouais. Lui avec le chat. Bah, là, ça va être compliqué. Ah, allez, bah, le chat. Tiens, Jean-Charles. Et je souhaite ton roi. Ouais. Tu veux pas la carte que tu m'as donnée? Non. Ouais. Je croyais qu'elle était bien. Elle était bien que... Je croyais qu'elle était. Bah, elle matche pas avec mon jeu. Elle matche, c'est pas Jean-Jean. Donc, je ne le prends pas. Tu vois, c'est pour ça. Bon, déjà. Et du coup, je donne la pièce. Ouais. Et je donne la pièce et le prochain tour à Axel. Ah, oh, merci, allez. Dina. Putain, régale. J'ai le droit de la donner. Mais pourquoi après... pas? Je dis, hein. Il y a plus beaucoup pourquoi d'événements. Pourquoi Axel? Qu'est-ce que t'as de boxe? Ah Jean-Jean? Jean-Robert. Ah, Robert. Ça, on les a tous eu, sauf désolé, je ne peux pas le prendre à ma table. Bon, bah, je suis désolé, hein. Mais Max... Bah, pourquoi moi plus que toi? Bah, pourquoi moi plus que toi? Bah, parce qu'il a choisi le tout en premier. Ok, ok. Comme tu veux. Allez. Je m'en souviendrai. Désolé, frérot. Je vais le tuer. Événement ou carte, Max? Il n'y a que deux événements disponibles. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'événements en jeu. Bah, c'est, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Hein. Ouais, c'est vrai. Non, si tu fais full événement. Parce que c'est au bout d'un moment, il faut que les cartes, elles. Attention, l'événement est. Dehors! Défausser un personnage de votre table. Voilà, je le savais. Allez. Oh, là. Je le savais. Bien. Et tu dois donner une pièce à quelqu'un, quand même. J'ai envie de lui laisser une chance. Alors donne pas d'avoir Jean-Jean. Parce qu'en fait, elles vont prendre un événement. Pour le beau jeu, pour Jean-Jean. Tu sais quoi? Si tu me donnes ta pièce. Il aura 5 points de victoire déjà. J'avoue. Bah, je propose. Allez-y, vendez-vous. Ah, j'y vais, j'ai aucune idée. Bon, vas-y, Rob. Tu me donnes tu ta pièce, mec. Tu me donnes ta pièce. J'ai un romantique, je te le donne tout de suite. Bon, voilà le truc. Là, ce qui va se passer. Si jamais j'ai un truc exceptionnel, je le prends. On n'est pas non plus des bêtes, d'accord? Si j'ai un truc nul, je te le file pas. Si j'ai un truc moyen, je te le file. Excuse-moi, mais il va forcément te le donner. Il reste quasiment que toi qui. Il y a qu'un. Ah, ouais. Une autre personne. Ah non, non, bah non, moi j'ai dit voilà. Bon, moi si tu me donnes ta pièce. Non, toi t'as rien. Je vais chercher Jean-Jean. T'as dit Jean-Jean de merde. Eh ben, je vais chercher Jean-Jean. J'ai envie qu'elle aille chercher Jean-Jean. Ouais, merci. De toute façon, elle va être dégoûtée. Là, ça dépend de l'événement. Je sais pas ce qu'il y a, je les connais pas. Le dernier événement. Jean. Place réservée. Piochez un personnage et remplacez un personnage de votre table par celui-ci. C'est exactement ce qu'il fallait. C'est le moment. Oh là là. Là, ce sera scripté. C'est le moment. Ce sera scripté. Oh là 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 là. Mais où est Jean-Jean? Où est Jean-Jean? Où est Jean-Jean? Où est Jean-Jean? Si tu trouves Jean-Jean, tu fais un play exceptionnel là. Ah, le storytelling est incroyable. Attention. Et là, oh là. Flip-le. Il l'a appelé. Ah, c'est Jean-Luc. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru.
J'y ai cru. Ah non, Jean-Luc. Mais non. Pas toi. Oh, mais ah. Jean-Luc. Oh, on y était prêts. Il reste maintenant. Tu irais changer avec qui? Bah, avec un Jean. Hein. Je vais garder l'eau. Elle a eu vas-y, tous les Jean-Paul, du monde il est bourré. Bah, tu noteras que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour toi. C'est vrai. J'ai fait ce que j'ai pu aussi. Mais tu sais que Jean-Luc t'inverse une lettre? Ouais. Ouais. Deux, du coup, ouais. Enfin, faut inverser un. Bon, c'est deux lettres, quoi. C'est vrai. Et donc là, il n'y a plus d'événements. Donc, qu'est-ce qui se passe si je donne ma pièce à Marie, par exemple? Bah, je vais piocher une carte. Pour moi ou pour. Pour le mettre chez eux, quoi. Ok. Bah, vas-y, Marie, fais ça. Ok. Ah bah, voilà. Hop. Ils sont trop riches. Tu lui donnes beaucoup de pouvoir. Ce sera un petit elfe que je ne vais pas donner à Axel. Ah bon? Je ne comprends pas pourquoi. C'est étonnant. Et je vais le donner. À Maxil. Mais non, Arof. Ah non, mais je voulais pas que tu trouves un amoureux. Ah, tu casses les couilles. Voilà. Ouais. Voilà, voilà. Et voilà. Et bah, voilà. Et l'amoureux. Et bah, t'as voilà. bien fait, Marie. Oh. De toute façon, tu l'aurais pioché, tu ne serais pas mis à toi-même. Alors, les nains, c'est un par clan. Donc, lui, là, il a 2 et 2 et 3 et 4. D'accord. Et là. Toi, t'as 1, 2, 3, 4. C'est ça, hein, c'est pareil, face à table. 2, 4. 4 et 4, 8. 3. Et la sorcière, vaut combien? 3, je crois, non? C'est 2 plus 1 par sorcière dans la taverne. 2 plus 2, ça fait 4. Oui, oui. 4 et 4, 8 et 3. Bon, ils ont tous les deux exactement le même nombre de points de victoire. Non, non, mais c'est 2 et 2, c'est pas 4 et 4. Oui, bah, j'ai dit 2 et 2. Ça fait 4. Tu dis 4, ça fait 7, 8. Ça marche pas, 8. Il a des pièces aussi. Ah, tu comptes les pièces? Ah bah, il me semble qu'il faut compter les pièces à la fin. Hein. Oui, oui, oui. Donc, ils ont tous les deux pile poil 11, donc ça ne change rien. Donc. Allez, comment il t'a balancé Alix? J'ai Alix, ça me dérange pas. Je la récupère, Alix. Et donc, ça, ce sera pour toi. Ouais, forcément bah, pour Axel, et c'est forcément la fin de la partie. Oh, une salade. Oh, la chatte. De ouf. Ça fait plaisir, merci. Oh là merci. Là. Ok, c'est ah, bon. Ça régale, là. Ça me fait plaisir. Ok, on compte les points. C'est parti. Ça alors, vite vu, les sorcières. Ici, moi, ça vaut, du coup... 4. 1, 2, 3, 4. Lui, il vaut 1. Je vais voir ce que Dina m'a donné. Ah oui, Dina. Bon, elle a donné un elfe. Oui, bah, bah, avec le roi, c'était bien, non? Dit, c'est génial. Bah, parce que j'allais pas te dire que c'est de la merde. Tu te ta gueule. Okay. Quand tu as cru, premier. Bah oui, du coup, qu'elle on fait dans l'ordre, les amis. 4 je suis désolée, 1, Marie. 5 et 4, 9. On est d'accord sur tout ça? Vous m'arrêtez si je me trompe. 9 plus 0. 9 plus 2, 11. Ok. Axel, tiens. Bah moi, du coup, ça fait 2 et 2, 4. Plus 4, 8. Non, mais ça, on compte pas. Hein. Ça, c'est des points de ouais, victoire. Oui, en fait, puisque lui l'a compté, mais pas. Ah, ok. Ah, on compte pas les pièces? Non, c'est tes points, en fait. Ok, j'avais pas capté non plus. C'est pareil. Oui, c'est mais vrai. Du coup, c'est pour ouais, tu mais... récupères pas les pièces. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, c'est le. Tu les as pas récupérés pas. Non, non, il est à 11 points. Point. En fait, tu récupères les pièces par rapport à ton score. J'avais pas capté, moi aussi. Est-ce que t'as bien gagné 9 points avec tes persos? Je pense que oui. Il a oui, c'est les ça. Oui. C'est pareil, ça revient même. Bon. C'est allez. Bon. Mais effectivement, vous embêtez pas à compter vos pièces. Okay, ouais, ouais. Perso. Okay. Donc 2 et 2, 4. Plus 4, plus 4, ça fait 12 du coup. Bah, GG, mec. T'es bien devant, par contre, je pense que tu vas te faire pourrir à la game d'après. Non, faut pas dire ça. Si, faut pas dire ça. On va te cracher dans la même chaque cible, hein, quand même. Arrêtez. 0, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est nul. C'est pas ouf. Ça fait 10 piles. C'est toujours mieux que moi, Marie. Ouais, mais c'est okay. Un peu ta faute. Hein. Je crois que Croft a raison. La moyenne, elle est plutôt c'est à 2. Ah, oui, bah oui, bah oui. Moi, j'ai. Parce qu'en fait, tu vas te faire pourrir ton jeu. Hein, ça va pas être la fête. Hein. Moi, j'ai 3 plus. Donc, c'est 3 du coup. Un par contre oui. Différent, oui, ça. Donc 3 plus 3 plus 3, ça fait 9, plus rien, c'est ça? Bah, ça fait 9. Donc ça fait 9, je donne 10, je donne 1, pardon, et je prends 10, ça fait donc 13, 16, 10, 11. Et toi, et moi, Jean 0. Ouais. 0. Égal la tête à 0. Le roi était fort. Hein. 4. 5. Ah, 5. 5. Pas mal. Alors pas que mal. Jean-Jean était ici. Oh, Jean-Charles. Non. Stop avec les gens. Allez, on reprend deux cartes, on mélange tout. Pardon, t'étais lent. J'allais prendre mes cartes pour les mettre, elle les a prises à ma place. Elle... Non mais oh. Ah, ça va. Tu feras ça quand t'auras mérité le fait. Mérité, très bien. Donc c'est le premier à 25. Ouais. Donc ouais. Axel est déjà bien, bien parti. Ça peut se faire en deux parties en fait. Ouais. Ouais. Oui. Pas se faire en une. Te fais pas avoir, Marie, quand il dit va, tu feras ça quand t'auras mérité, sache que t'auras rien mérité. Pas, tout, pas hein. Trop, t'es corrigé là. Fric, meuf. Mais c'est pas du tout. C'est pour ça plus lisible pour les gens. Dans oui. Les t'as raison, bien meuf, sûr. T'es la meilleure. Voilà. Si je fais ça, ça te fait quoi? Oh, elle aime pas là. Oh, ça me fait rien, mais c'était pour la lisibilité, tu vois.
Mmh. On nique pas les cartes. Parce regarde, que si on elle a changé direct, c'était sûr. Allez, c'est ça parti. Fait rien, mais. Ok, c'est parti. Du coup, qui commence ça? Attends. Bah, moi, j'ai perdu. Le dernier qui a. Attendez. Reçu, je crois. Oui, c'est, ah, standard, c'est moi. C'est sûr. Sûr? Ouais, c'est Rivière. Merci Théo. Taïdras. Et Taïdras, et ça nous fait plaisir. Évidemment. Format standard. Hop, vous prenez des sleeves standard Game Genie, comme ça vous les abîmez pas, même si vous êtes dans un bar et machin, c'est cool. Parce qu'ici on joue sur des tables nickel, mais chez vous ce sera pas forcément non, le cas. Non, c'est celui qui a reçu la carte à la manche précédente qui du coup continue à jouer. Donc c'est moi. Axel. Okay. Et du coup, okay. Axel. Vas-y Axel. Parfait. C'est un peu trop, tu vois. Ouais. Ah, parce c'est que un voulais, rare jeu où je voulais en fait, vraiment aller chercher celle qui est au fond. On s'en fout oui. Un peu de qui commence. Parce que je me dis, en termes de proba, ça change quelque chose. Oh. C'est Jean-Jean. C'est Jean-Jean, non. Veux oh ah bah ouais. Oh ah bah ouais. Il ah bah allait ouais. Chercher tout en fond. La première carte. Mais non, Jean-Jean. Donne-lui Jean-Jean. Et là, ça va être intéressant. Ouais, mais là, du coup, il... Allez, Dina. C'est vrai. Franchement, ouais, ça me pour fait l'histoire. Bah, oui. Ah, ça me fait merci. Plaisir. Merci. Enfin, ça me fait je plaisir. L'ai. Enfin. Par contre, je sais pas si tu vas recevoir beaucoup de gobelins. Du coup, oh, mais là, si, ils ont intérêt à venir à moi. J'ai le roi des gobelins. Bah, ils vas-y, vont venir. Bah, vas-y, prends-en. Hein. Allez. Tu les avais bien tirés tout à l'heure. Tiens, ici. Ah non, merde, c'est pas un gobelin. Ignis, la sorcière. Est-ce que je la garde pour l'instant et je vois après? Parce que les sorcières, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, je vais la garder sorcières. Pour l'instant. Je décide de la garder au cas où les gobelins ne plaît, viennent là, pas. C'est full, je ouais, je bah ouais, suis ouais, ouais. En train de garder mes grand. Options ah, voilà. Ouvertes. Ah, bah ouais, mais... Tu devrais ah. Savoir ce que ça fait, Rofelos, quand même. Oh bah tiens, allez, Rof. Ouais, ça me va. Tu l'aimais bien, là, moi, voilà. Je l'aime bien, j'apprends. J'y vais. Si j'ai un gobelin, je te le file maintenant. Oui. Non, j'ai un elfe... Tu peux prononcer son nom, s'il te plaît. Rexizine. Mm. Qui la veut? Non, merci. Ah, la foutre. Vraiment, ça n'intéresse personne. Ça veut dire que ce sera pour... Bon, j'ai pas donné à Dina. Pas, bah non. Pas, j'ai pas de fumer ton plaid. Ouais, effectivement, moi, elle me plaît Axel. Moyen. Tu veux, tu peux me la donner. Hein. Ouais, mais Axel, c'est un petit peu trop facile. J'ai plutôt envie de donner à Marie-Grange. Mais t'es vraiment. Je suis la seule personne qui a dit non merci. Tout le monde a dit je m'en fous, moi j'ai dit non. Ouais, mais je préfère quand tu me respectes pas. Attends. Fais dire non merci, sale merde. Voilà, ça. Ah bah hop. Allez, puisque allez, c'est ça. Bah oh voilà. Et là, elf, allez, elf, allez. Elf. Une troisième. Eh bah non. Oh le Jean. C'est Jean-Rude. Alors. Jean-Rude pour moi. Ah bah. Pff. Monsieur Rofelos. Bravo. C'était sûr. Même pas à Dina quoi. Bah, ouais, bravo. Franchement, moi je l'aurais pris. Elle m'a donné un elf tout à l'heure qui valait un point. Elle m'a pris mon roi. Ça a rapporté un point à ton nain. Moi, franchement, je suis toi. Super. Donne un. À ton frofre. À ton frofre. Ton frofre était content. Alix. Voilà. Voilà, t'es contente avec ça. Non, maintenant. Je veux pas d'amoureuse. Ah bah, je vous rappelle qu'on est censé attaquer Axel qui a déjà 16 points. Oui, non, non, que vous rappeliez. Je te rappelle que je t'ai donné Jean-Jean quand même. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Écoute, Axel, s'il te plaît. Oubliez Axel. Je te redonne Samantha, elle avait l'air de bien se plaire à ta table. Ok, bah bouge pas, t'inquiète, je vais prendre un événement, je vais te la rendre tout de suite. Après, deux flats, c'est pas nul. Vous pouvez prendre dans les cartes que je sleeve, il n'y a pas de deux flats, c'est pas nul. Ouais, bah après, si je compte, ça fait 18. Bah, c'est mieux que zéro de tout à l'heure. Hein. Tu vois ? C'est vrai, c'est vrai. Il va prendre les sleeves. Mais il a le droit. Ça change rien, hein, pour le coup. Bah, ah, c'est marrant. Hein. Kélawen. Ah, bah, viens. Franchement, non. Bah, si. Tu vois, par exemple, Kélawen, je pense que ça vient de. Kélawen et Meeple. Tu la gardes, c'est vrai ? Bon, après, c'est un nom breton par excellence, non ? Mais il fallait me la donner, Axel. Oui. Et dans quel monde ? Bah, à part le monde où ça se finit bien ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il a pris ? T'as eu quoi de beau, là, petit cachotier ? J'ai eu Grof. C'est celui qui nous manquait tout à l'heure. Le problème, moi, ce qui me gêne, c'est que s'il y a eu une ref à toi, j'espère qu'il y a un perso qui s'appelle Max. Sinon, j'ai envie de tout péter. Non, mais c'est évident que ce n'est pas une... Je fais une photo dès qu'on a fini le jeu. Je pense que c'est lié à Grof. Je fais une photo et je lui envoie ça. J'ai envie de penser que c'est lié. Moi, j'ai envie d'y croire aussi. Et d'ailleurs, je pense que même s'il me dit non, je dirais que oui. Dans ma tête et dans mon cœur, ce sera lié. Donne Grof à Grof. Grof, ça te va bien aussi. Non, je pensais plutôt le donner à Marie. Ça fait gros Grof, quoi. Et du coup, ça lui donne 3 points. Elle prend cher. Si elle est bloquée. Mais attends, c'est pas mal, non moi, je le prendrais. À ta place, je le prendrais, non? Ouais, c'est pas faux. Tu peux, ouais. Il me semble que c'est le meilleur play. C'est pas faux. Bah. Non, mais c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'aura pas d'autres elfes, quoi. Ah ouais, c'est ça le problème. C'est l'elfe, tu vois. Ouais. Et l'elfe de base, il coûte 1. Ah, 1. Mm. Pas dingue, hein. De là à Max. Ouais, non, vas-y, t'as raison, tu sais quoi, j'aime bien Grof. Allez, grand frérot. T'as de l'avance, Axel. Bah, du coup, en fait, tout à l'heure, il était frustré de pas jouer, du coup, là, il joue tout seul. Bah, vas-y, tu peux en jouer, du coup. Ouais, avec plaisir.
Max qui sleeve un jeu auquel on va. Si. C'est non, cadeau. Mais t'as dit. Oh, Jean-Charles moi, là. Merci. Non, mais attendez, après, vous avez vu ce qui se passe. Ça fait trois fois, ils me donnent de la même. Après, Jean-Charles et Alix, c'est peut-être amoureux. Hein. Non, c'est la première fois que je te donne une carte, attention. Oui, non, mais si, t'es tu m'as donné Samantha, je te donne Jean-Charles. T'aimes bien Jean-Charles, c'est ton frère. Non, ça allait bien cette carte. J'allais dire pourquoi t'as pris un événement, mais parce que du coup, Max n'a pas d'événement. Je ne peux pas prendre d'événement, puisque Maxidane n'a pas de carte. J'aurais aimé faire ça. C'est vrai. Je ne peux pas. Ah, là, t'es obligé de la donner. Et j'ai joué une sorcière qui est cool. Ah ouais, sorcière, c'est comme ça. Tu me la donnes aussi. Merde. Je vais la donner à Dina parce qu'elle a fait 7 points, donc elle est en retard. Ouais, je suis pas une menace, tu as bien raison. Ok. Allez. Sinon, ça va la partie, Max ? Ah, moi, je m'éclate. Tout est slivé. Ah, crof. Tout est pas slivé, Max, parce que nos cartes. Oui, bah, j'arrive. Crof. Bah, crof. Bah, Axel, hein. T'es en avance, Axel. Non, qu'est-ce que tu racontes là ? Tu lui files des points. Mais n'importe quoi. Ah, non. Mais il prend 3 points. Mais c'est rien du tout. Mais c'est rien du tout, il gagne. Mais non, t'inquiète. Ça fait 6, 7. Mais non, 9. Mais les gobelins, c'est avec des trucs différents. J'ai gagné. La partie n'est pas finie parce qu'il y a des événements qui vont arriver. La partie n'est pas finie. T'as combien là ? T'as 1, 2. Là, j'ai 25. Jamais, tu lui files 3 points. Là, j'ai 25 tout pile. Faut lui filer. Mais comment ça, je lui ai filé 3 points ? Bah, parce que. Chaque nain apporte 1 par clan différent à sa table. Par clan différent. 1, 2, 3. Ah oui, bon ça va. Je comprends pourquoi tu joues avec des gobelins, pardon. C'est mieux que de lui donner une nouvelle carte. Elle avait calculé que j'allais prendre du coup un événement, oui. Et je ne peux pas. Non. Donc en fait, je ne vais pas prendre d'événement. Voilà. Haruka. Combien de points ? 4 points. 4 points, c'est pas dégueu, hein. T'es au courant quand même que tu lui fais une carte, hein. Là, le fait, ouais, le ouais, fait c'est pour ça, je regarde. Gagner, quoi. Écoute, j'avais pas forcément calculé comme ça, mais c'est trop tard. C'est la vie. Des gens un peu plus, t'as que 11 points. Tu m'as dit qu'il fallait pas utiliser son cerveau pour les jeux d'aujourd'hui. Ouais, j'ai désactivé. Ouais, ouais. Voilà, t'as que 11 points. Mais si je te donne une carte, ouais. On peut piocher les événements. Oui. Alors que là, on ne peut pas. Ouais. Ouais. Tiens, au bout d'un moment, on va devoir lui donner. Hein. Oui, vous n'allez pas avoir le choix. Ouais, allez, tiens. C'est avec elle ? C'est pour te remercier d'avoir sleevé. 4 points flat. Je peux avoir une sleeve, please ? Pour Samantha. Alors, il manque. Allez, tiens. Oui, il manque. Ah, c'est pour ça que tu en as filé deux. Oui. Je sais pas à quoi ça sert. Il manque bon, une sleeve. Ah oui. Non, oh, Jean-Pierre. J'en ai une là. Qui a Jean-Jean ? Bah, moi. C'est... Bah, donne-le-moi. Ah, j'ai de la place. Tu commences à avoir des points, toi. Mais je suis en retard. Vas-y. En même temps, t'as le choix entre Rof, Dina ou toi. Ouais, tu le veux pour toi ? Non. Bah, donne-le à Rof. Mais non, mais Rof, il en veut pas. Tiens, meuf. Ouais, mais pourquoi merci tu fais ça ? Elle marque plein de points, ça me fait plaisir. Merci. Elle est en retard. Mais oui, j'ai pas de c'est points. C'est pas un danger. Mais il fallait donner à Rof pour faire chier Rof. Pourquoi pas. C'est ton but dans la vie. Non, mais je comprends pas cette. Elle va je le faire prends. Chier derrière par rebond. Elle va prendre un événement. Ça va ruiner. La chiasse va ruiner. Regardez bien le client mystère. Alors, je vais piocher un personnage au hasard et le placer face cachée une nouvelle fois. Oh là là. C'est la spéciale de Dina. Ça. C'est la spéciale. C'est client mystère. Et toi, tu le regardes. C'est pas ouf. Oui, moi je le regarde, oui, bien sûr. J'ai déjà eu plusieurs voilà, mystères, c'est pas léger. Hein. Ok. Là, j'ai pas trop le choix entre mes deux clients mystères ici ou ici. Je vais le donner à Max. Okay. Ça veut dire qu'il était bien, c'est ça ? Bien sûr. Bah, voilà. Il était incroyable. De toujours bien. Tu dois donner. Non, stop. Pause. Maxildan, tu reposes. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, non, je dois donner un point. De jouer. My bad. C'est à Dina de donner une pièce et c'est la personne qui reçoit la pièce. Tu fais la maligne, mais points à toi, la liaison est pas bonne. Oh, mais tu me fais chier. C'est des points. C'est la langue française qui te parle. Est-ce que ça vaut le coup que je le donne à Axel et qu'il perd des points potentiellement ou pas Quoi Axel quoi Mais qui fait ça Fais ça, Dina. Franchement, ça. Ça me régalerait. Il y a déjà 25 ans. Tout est slivé là. On peut. Tout est slivé. Prendre un événement, moi, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Rassemblement. Choisissez un clan présent à votre table. Chaque joueur défausse un personnage de ce clan si possible. Je vais choisir les gobelins. Bien, Marie. Tous ceux qui ont un gobelin le défaussent. Eh ben. Le gobelin ? Ah, le gobelin. Non, pas lui. Mais c'est... Ah, je dois en défausser qu'un seul, pas tous. Ouais. Ah, ok. Et je donne ma pièce à... Rof, il fait à moi. Tiens, Dina, je te la rends. Ah, merci. Bon, alors, je repioche.
Tout le monde lui fait non. L'agression, c'est non. Chaque move. Ah. Alors, Noéline, l'elfe. Moi, je veux elfe. Je l'accepte avec plaisir à ma table. Ouais, bah, bien sûr. C'est ouais. vrai que tu m'as quand même aidé, Marie Grandjeu. Oh, non, non, non. Okay, alors, ok, on va. Alors, écoute-moi bien. Tu penses à un play, ok, et tu fais l'inverse. Et ce sera le bon. T'assures. Là, tu dis, oh, je pourrais. Mais je peux pas le donner à Axel, par exemple. Non, même à moi, ça va faire chier. Hein. Tu le veux? Moi, spécialement. De enfin, qu'est-ce qui te fait le plus, Chirov, entre te prendre l'elfe ou que je le donne à Marie? Qu'est-ce qui la t'énerve Marie, si le plus? Si elle prend un elfe, elle gagne 3 points par elfe. Ouais. Donc elle a une table à 9. Elle passe de 4 à 9. De toute façon, avec ton play de tout à l'heure, c'est Axel qui finit la partie. Qu'est-ce qui t'énerve le plus? Ce qu'il faut faire. Il faut prendre des événements pour baiser Axel. On n'a pas le choix. Oui, mais en attendant, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Je pense que tu vas le donner à Max, il va prendre un événement pour baiser Axel. Pourquoi? Non, il ne prendra pas d'événement. Je pense pas. Il vient de le dire. Tu vas prendre un événement? Là, tu prends un événement. Et moi, je sais ce que je lui ai mis. Alors attends, tu prends un événement, mais je veux pas de ton elfe de merde. Je veux t'en veux pas non. Bon bah tiens. Non bah non. Voilà. C'est bien, tu sais comment ça se joue. Voilà. Il avait pas manifesté son mécontentement. Oui, bah, je savais très bien où j'allais. Hop là. On veut le truc qui permet de passer peut-être. Ouais. 1, 2, 3, tourner. Voilà. Voilà, il suffisait de tourner. On va tourner vers la droite. Bizarrement. Bon, c'est pas mal. Oh. Vous êtes prêts? À 3, vous désignez la carte que vous donnez à votre droite. 1, 2, 3. C'est étonnant. Ouais. On attendait pas à ce que tu me donnes ça. Tiens, je te donne Jean-Jean. À contre-cœur, mais. En vrai, je pense que je vais. C'est pas ouf, mais c'est bien. Tu lui as donné Jean-Jean. Ouais, et ensuite, je vais donner une pièce à quelqu'un. Mais qui va jouer un événement. Jean-Jean, c'était 4 points quand même. Hein. Ah, fais attention parce qu'il peut jouer un événement. Il rapporte 4 là, je te le par dis, je Gobelin à sa table. Lui, compte. Mais non, Axel, tu prends une carte, tu l'as filé quelqu'un. Mais non, mais non, tu peux la prendre et jouer. Je veux dégager. T'as quand même, là, j'ai plus les 25 points là. T'as quand même donné le truc qui te valait le plus de points à ta table. J'avais pas lu le dernier mot, lui compris. Ah oui. Mais c'était quand même important. C'est fait. C'est important. Ah, mais, écoute, maintenant il est à ma table, il y reste. Hein. Moi, je vais prendre un perso. Parce que c'est dans ça, elle te rapporte 3 points. Oui. Mais vous me rappelez plus, ça va arriver. Camille. Non, ne me regarde même pas. Ouais. Mais pourquoi? Oh, parce que tu me régales. Je fais quoi? Tu me régales, Ron. Mais Maxilane, c'est mon copain. Parce que maintenant, on joue aux jeux avec les copains, les gens qu'on aime bien. Les copains. Les copains, c'est ceux avec qui on partage le pain. Les copines, c'est non, pas encore arrivé. La guerre est déclarée. Ce qui est magnifique, c'est que je crois qu'en plus, elle n'a pas la blague. Ou pas mais si, parce qu'il me l'a fait la dernière fois, il me l'a expliqué. C'est bon. Étymologie du mot. Coucou, c'est moi. Donnez un personnage de votre table, prenez un ou prenez un personnage à quelqu'un d'autre. Et bah, je te rends ton Camille de merde. Et tu files d'une pièce à qui? Et je fais de la monnaie. Ah oui. Parce que j'avais qu'une pièce de 10. Et je vais donner de l'argent à Dina en fait. Pourquoi? Merci, mais je suis la plus pauvre. Mais non, elle a plein de points. Je suis pas une menace. Mais regarde pas les points qu'elle a là. Je ne suis pas une menace. Pourquoi pas? Parce que t'es déjà à 16 points. Et je vais jouer à un événement. La pièce que tu vas me donner, je vais aller dépenser. Arof. Arof, c'est à moi. C'est Arof. Arof, Arof, Arof. Je vais donner à Marie. Ça marche. Non, Marie, ça prend 3 points flat. C'est. Lui, prend 3. Bah, ouais, mais toi, c'est pareil, tu prends 3 aussi. Tu peux le donner à toi-même en vrai. Non, c'est Max le. Ça dépend de ce qu'il y a là. Ouais. Ouais. C'est vraiment sur Camille client mystère, c'était quoi? Ouais. Je le donne à Max. T'as pas fui ton client mystère quand t'as. Non, il a gardé. J'aurais pu, mais je me suis dit qu'elle m'avait mis un truc pas trop mal. Je pense, ouais. Bah, je me suis dit pareil tout à l'heure, c'était pas le cas. Bon, t'as quand même eu des points. Voilà. Non, un. Alors. Événement. Place réservée, piocher un personnage, remplacer un personnage de votre table par celui-ci. Tu vas pas remplacer celui que je t'ai mis. Ah. Alors. Est-ce que tu peux remplacer le client mystère, du coup? Bah, je pense. Oh, bah, y a pas de mais il a aucune raison de le faire. Oh, c'est putain, un c'est naze. Un par truc, ouais, tout est nul. C'est le seul truc qui potentiellement peut rapporter moins de points, donc je vais forcément remplacer celui-là. Quelle erreur. Allez, dégage ton gobelin de mort. Ah, c'est bon. Parce que du coup, ça te donnait une... Non, ça valait 1. Il valait 1. Je vais pas enlever un 2 pour mettre un 1. Mais ça te rajoutait un clan par rapport au... Ça dépendait de ce qu'il y avait là, oui. Donc j'étais en mode... Dans le doute. Brof, dégage. Tac. Et tu donnes une pièce à quelqu'un. C'est quand t'as fait de la monnaie. C'était pas dégueu ce que je t'avais donné. C'était pas mieux dégueu. Que moi. J'avais pas eu le choix, Marie. On joue un event. Moi, je suis pauvre. Merci. Oh, déçu. J'ai un meuf. Merci beaucoup.
Ah bah ça commence à toucher là du côté de Marie. Oula. Ouais, fais attention Marie. Déçu. Oh, elle est trop forte cette carte. C'est quoi? C'est Elena. Elena, elle a une armée de squelettes. Elle a 4. Elle a 4. Merci. 4 points, let's go. Je vais aux gens pour le moins de points, c'est stratégique. Hein. Ouais. Ok. Je vois ça, hein. Bah, je vais prendre un événement. Hein. Allez, on va faire ça. En fait, s'il y avait plus d'événements... Chaise musicale. Échangez un personnage de votre table contre un personnage d'une autre table. Oh, j'aurais tellement voulu ça. Alors, je vais échanger du coup celui-ci. Moi, je veux bien que tu échanges avec Lagartha. Ouais, mais... Ah, sinon, bah, on peut se rendre service tous les deux. Toi, tu me donnerais quoi? Je te donne ça. Mais je vais pas remplacer... Non, tu files Elena. Comme ça, t'as deux elfes. Non, mais deux elfes, c'est deux et deux. Non, mais t'as rêvé. Non, mais non, ça marche pas. Ouais, mais bon. Mais non, mais ça marche pas. J'ai tenté, quoi. Alors, si je te prends ton gobelin, il est à 3, ok. En vrai, le meilleur, c'est Jean-Jean. C'est ouais. vrai que Jean-Jean, il me manque un peu depuis. Bah après, je pourrais prendre son aventurière aussi. C'est vrai. Mais ça va rapporter la même chose. C'est mieux si tu fais Chirof. Parce que Rof a plus de points que Max. Oui, moi, je suis pas rangé. Et attends, hein. Et du côté de d'Axel. Pff, j'ai pas grand-chose. Hein. Mais si là, il est à combien, là? Bah, ça, c'est 3 et 3, 6, 7, 7 points. Okay, il faut 7. Qu'il marque moins de 9 points. Bon, donc là, pour l'instant, c'est bon. Bien. Allez, je reprends Jean-Jean, c'est bon. Allez. À moi de jouer. Il n'y a plus que moi qui ai des... Non, elle a pris un événement. Je dois payer ma pièce. Bah non, mais toi, reste où tu es, c'est très bien, en fait. Je suis franchement... Marie, t'as quand même beaucoup de points. Je suis assez safe. Mais on est pareil. Non. Non, bah non, t'as beaucoup plus de points pour ta table, la mytho originelle. Elle a 12 points, la meuf. Et voilà. Bon, est-ce que je remplis off? Remplis off. Non, bah non, je vais évidemment prendre un événement. Dehors, défaussez un personnage de votre table. Voilà. Et il est de retour dans le game. Je suis de retour dans le game et je crois que... L'elfe, ouais. L'elfe. Ok. Tu dois donner une pièce à quelqu'un. Merci. Et il reste des événements ou pas? Non. Je t'ai donné une pièce, je compte sur toi pour être sympa. Il n'y a plus d'événements. Non, mais là, tu prends un perso. Ah, ok. Alors. Tu le donnes à Rof ou à moi? Ben, je vais te le donner à toi, Max. Merci, meuf. T'en avais déjà un avant. Un super elfe. Ça ne change rien, voilà. Ça dégoûte. Bon, allez, bah, Rof, Max va remplir... Non. Tiens. Oui. Non. Ça, et ensuite, je pioche, donc c'est pareil. Ouais. C'est pareil. Il choisit la carte. Je t'assure, il m'en aurait pas voulu que je lui donne deux cartes au pif. D'ailleurs, donne-moi la carte que... Tiens. Merci pour... Oh, bah, c'est bien. Ah, bah. Oh comme de par hasard. Comptage de points, on est parti. C'est tellement fort ça lui fait 8 points. Alors, 1, ouais. Plus 4, 5, plus 2, 7, plus 3, 10. C'est quand même fou que les amoureux soient à la table de Rof. Eh ouais, Camille et Charlie. Bah, du coup, 7 hein, pour moi. Et moi, 12. Ah, je crois qu'ils ont fait exprès de prendre des... 3, 6, 9, 12. Des prénoms, à consonance. Mixte, ouais. C'était le but. Marie, tu t'es régalée. Hein. Et moi, ouais, du coup, j'ai quoi? J'ai donc 4, j'ai donc 9 en tout. Je rends 1 et je prends 2. Ok, et moi, j'ai 4. Prof, autant ça, que moi. Ça, c'est 2 chacune. Ah non, 3 chacune. Donc, ça et fait Marie 4. Marie, pas loin. 7, 10, 10 et 4, 14. Pardon. Ouais, bah c'est ouais, à force de dire je suis pas une menace. Putain, 14 quand même. Hein. J'ai bien compté. Ouais. Let's bon, bah. Go au catin. Eh bah... Ça rend-moi. Rends-moi. Ouais, attends, je vais te filer. Qui d'autre avait des sorciers? Bah, personne. Personne. Donc là, on elles valent 4, 4, 4, 4. Ah ouais. Non, elles valent 4, 3, 3, 4. Alors, autre sorcière, d'accord. Ouais, ok. On est sûr que Jean-Jean, il vaut 4 flats? Oui. Bon. Oui. Lui compris. C'est la petite ligne que je n'avais pas vue tout à l'heure. On a 22 ici. Agressive. Hein. On a 19 du côté de chez Max. On a 23 pour moi, 23. Donc en fait, on a. Ah, je suis revenu dans le game. Les BG sont à 23. Et moi, je suis une salope à 19. Donc, filez-moi les trucs bien. Parce que sinon, c'est chiant. Là, c'est celui qui ira le plus loin qui aura le plus qui gagne. Ouais, voilà, donc là, ça se joue. Ok, c'est la dernière manche, a priori. Putain, tu quand même vérifies ce que je dis. Hein. Il faut bien qu'il y ait un départage quand même. C'est bizarre parce que les paquets de sleeves, il y a 50 sleeves dedans. Mais pourquoi je crois qu'il y avait 51 cartes. Il y en a une qui n'est pas sleevée, non? Si, parce qu'il me restait une sleeve, là, je l'ai donnée pour la sleeve de Rof. Oh, bah bien joué. On kick une, parfait.
Allez-y. Qui commence? Rof. Du coup, hein. Jean-Eude. Super. Ah non, je suis pas obligé de le mettre. Ah, bah, si, si, tu l'as mis. Toi, la reine des gobelins. Tu l'avais mis. Et toi, la reine des gobelins. Pas de rough back dans ce jeu. C'est un rough back dans ce jeu. Ouais. Et Rof. Eh bah tiens, quand tiens, on parle. Tiens, Rof. Voilà. Et Rof, allez. Bah, très bien. J'ai pris un événement. Oui, bah non, je peux pas. Bah non, t'as... Ah. S'il y avait deux piles, ce serait plus simple. Bon. N'arrête pas de revenir. Oh, Elena. Elle est sympa, Elena. Évidemment, voilà. Le prince, il est sympa, le prince. Oh là là. Alix. Tu sais quand même que j'étais ta target toute la partie. C'est quoi le but du jeu d'aujourd'hui, là? De te faire du bien. Il t'envoie des bah, petits. Là, ça me fait pas du bien. Mais il t'envoie des petits cœurs. Mais oui, c'est son cœur. Il a juste t'enfiler d'un autre. Il t'envoie des petits cœurs. Attends, je t'envoie potentiellement 8. Je veux pas tes cœurs. Mais il t'envoie de l'amour. Mais je veux pas de son amour. En plus, il m'envoie pas de l'amour. T'inquiète pas, c'est pas de l'amour qu'il veut m'envoyer. Oh, on est pas des bêtes. C'est pas de l'amour qu'il veut m'envoyer. Jus d'amour, quoi. Ouais. Oh, allez, on a. Oh, c'est bonne ambiance. Ça va. Oui, bah les enfants, ils comprennent pas cette phrase. Mais oui. Ils s'en battent quoi. Ils pensent que c'est de la poussière. Du coup, ils vont voir leurs parents sont en PLS. Non, mais il y a même peut-être ma maman qui regarde. Oui, bah, ta maman, c'est pas que c'est du jus d'amour. Je peux te dire qu'elle en a vu. Tu crois que t'es arrivé comment, meuf? C'est pas la Sainte-Marie, hein? Non, mais en vrai, c'est bon, ma mère, elle a fait des restos avec vous. Elle est oui, oui, en plus, elle est, ouais, c'est bon. Ah, ouais, en plus! Juste ce qu'elle a dit ce matin à Rachel, j'avais Rachel à la maison. Non. Et elle dit à Rachel, non, mais tu sais, à force, là, ça fait plusieurs fois que je le revois, en fait, l'os, et puis on a mangé ensemble. Et en fait, eh ben, il en devient sympathique, et plus on le voit, plus on l'aime bien. Et toi, est-ce que tu penses que belle maman. Non. Est-ce que tu penses que j'arriverai à choper ta mère avant toi? Non. Ni l'une, ni l'autre. Mais en tout cas, elle m'a dit God. Par rapport à l'image que tu as. Bah, évidemment. Ah, Nathalie, elle est dans le chat. Oh, Nathalie. Nathalie, du coup, je veux bien la réponse à la question. Si jamais. Elle était très bien de lire ta maman, je me souviens de ce repas. Oui. Et non, et du coup, elle a dit par rapport à l'image qu'il donne sur internet, ouais. En vrai, c'est vrai qu'il est cool. Elle a dit ouais, il a une carapace, ce Rofelos. Ouais. Oh là là. Ah, c'est son côté psy, ça. Ah, bon, je peux jouer. Ah ouais. T'as joué celle-là. Non. Eh bah, ben, voilà. Eh. Oh là là, ça, chef des elfes. Je celle-là. Ah, Sacha. Ah, je veux bien Sacha. Ouais, tu peux bien y te faire. Mais c'est un jeu quand tu veux bien quelque chose. Mais c'est gentil de tout cet amour, mais je n'en voulais pas forcément, mais d'accord. Ah, parfait. Eh bien, ma mère m'a pas répondu, elle a mis un smiley qui rigole. Elle a pas répondu à non. Oui, je mais pas... ouais, ça veut pas dire non. Hein. Femme qui rit, hein. Il faut dire non, maman. Faut pas rigoler, faut dire non. Tu écris jamais, ça ira. Ouais, voilà. Attendez, c'est une femme libre, laissez-la oui, raconter ce qu'elle veut. Grave. Non, mais ça se trouve, elle est en mode. Elle a peut-être envie de connaître le plaisir, elle. Je t'assure que du plaisir avec toi, elle en veut pas. Qu'est-ce que t'en sais? T'as essayé? Bah, c'est ma mère, je connais. Non, mais je sais qu'elle veut pas de toi. Ah, je pense qu'il y a des trucs de ta mère que tu connais pas, meuf. Non, mais bien sûr. Ta mère, elle veut pas être heureuse. Non, elle veut pas être avec toi. Elle mais a moi non plus, je veux pas être avec ta mère. Non, mais. Elle a mon père dans son lit, elle a non, mais là, papa, tu, là tu fais une transposition avec toi-même, en fait. Non, non. Je comprends pas. Bon, il y en a quelle je baisse? Je sais plus où j'en suis. Revenons à Little Taverne. Hey, Little Taverne, les gobelins. Parce que là, on est bien empilé de comptoir, on est dans le thème. Ouais, grave. Bah, j'ai pioché Nia et elle non plus ne veut pas de toi, ce sera pour Axel. Ah, d'accord. Théo Rivière qui se retourne dans sa tombe de dire putain, moi je voulais faire un jeu où les gens rigolent. Le but, c'était pas de faire beau Flandre. En tout cas, il y a un petit Quick qui a dit pauvre Nathalie et petit Quick, elle était là le soir du restaurant. C'est vrai. Où t'as... C'est vrai, je m'en souviens. C'est à qui de jouer là? C'est à moi. Jalouse. J'ai Catalina. Catalina. Ouais. Combien de points? 3. Mais je regarde un peu ce que Rof a là. Parce que c'est le seul qui a exactement le même nombre de points que moi. Donc, ouais. Mais il a beaucoup de points. Là, Rof. Il est bien. Là, il est très bien. Enfin, il lui faut des gobelins là. Ouais, il faut qu'on lui donne des gobelins. Ça va, les il lui faut genre eux. Bah non, ça va, on discute, bon. On est à la taverne, bah, on discute de taverne. C'est normal. Elle a sorti sa fourche. Voilà. Alors oui, parce que là, j'ai le droit aujourd'hui. On a retrouvé Marie à Rungis tous les matins à 6h du matin. On a remarqué que Marie, quand elle est un peu excitée, mais ça peut prendre plein de formes, hein, l'excitation, d'accord, elle a tendance à devenir
vraiment une vendeuse de marché, quoi. Une poissonnière. Et c'est une poissonnière en mode « Oui, bah ouais, je pense que bah, le jeu, il était pas très bien illustré, ouais !» Fais Marie, calme-toi. Bah, tu sais que ça m'arrête même pas, ça. Du coup, j'ai pris. Merde, alors, tu as pris. Ah si, tu joues encore au jeu, toi. Ouais, bah, allez, bien sûr. J'essaye de couper un peu, parce que bon. Bon, c'est quoi? Et du coup, j'ai AR, maintenant. Qu'est-ce qui m'arrête? T'as dit ça, ça m'arrête pas. Qu'est-ce qui t'arrête? Putain, elle vient de... Mais rien ne l'arrête. Elle m'a dit ta gueule. Pardon, excuse-moi. Mais non, Marie, le important jeu pour moi. S'en bat les rien couilles. Ne l'arrêtera. Fais une pause. Il est prêt à tout pour toi. Il réfléchit, il réfléchit. Ouais, limite. Ouais, limite. Ma limite, je pense, c'est 70 ans. Waouh. Mais elle a... pour la beauté du chiffre, jusqu'à 69, jusqu'à 69, c'est bon. Juste à 69, je suis pas de 69. Mais sinon, après, c'est bon. Et derrière, 70, je pense... Faut jamais dire jamais, Rof. Je pense qu'il y a une limite avant, quand même, parce que bon, bah, c'est légal. Hein. Et puis, il y a une limite à un moment donné. Mais tout entre... Et pour sinon, l'expérience ta carte, Axel. Je te parle pas de faire... Je te parle de faire du sport, merde. Enfin, pas de match. Allez, vas-y. Je peux pas faire du sport avec toi, Rof. Pose donc cette bon, alors, qu'est-ce que t'as eu quoi, là? Quelque chose. Il a une sorcière. J'ai une sorcière, ouais. C'est pas mal, une sorcière. Sorcière, c'est bien. Bien, les sorcières. Ouais, ouais, ouais. Allez, mais si t'en as qu'une, t'es un peu déçu. Bah, t'as deux points, Flav. Non, parce que c'est dans la taverne, donc si elles arrivent chez les autres... Non, ça, je la gardais. S'il y en a qu'une seule sur toute la taverne, t'es déçu. Allez, je te débarrasse. C'est quoi? C'est un elfe, sûrement. Les gens, ils disent... Ce qui l'arrêtera, c'est que tu dises oui. Dis oui une fois, tu le dégoûtes et après, il voudra... J'avoue. Ouais. Tu dis oui une fois, tu te pisses dessus juste avant et tu vas... Bon, bah... Okay, parce que vous pensez que si elle se pisse dessus, ça va arrêter. Non, mais non. Putain, quel enfer. Même ça, ça l'arrêtera pas. Rien. Je suis désolé. On appelle la machine dans le milieu. Manu l'a appelé. Hein. S'il te plaît, faut que tu me remplaces. Manuel Ferrara, en repas, m'a pris pour un dingo. Je sais pas qui c'est. Bah, ah bah, ça c'est le si même Manu pense que t'es un dingue, alors... Bon, Axel, acteur de film pour... Je vous laisse parler, les gars. Non, mais tu peux donner ton elfe à tout le monde, sauf à Max Hildan. Non, tu sais pas. Attends, je te rappelle que je suis celui qui a le moins de points. Hein. À Marie, ouais. Le problème, c'est que Rof, il a déjà mais oui. énormément de points. Là. Bah, ça lui va, hein, l'elfe aussi, je pense. Oui, oui, mais bon. Donne-le à Marie, ça fait chier. Non, mais pourquoi? Parce que ça te fait chier. Mais ça complète les points de ton Rof. Non, mais donne-les à... En vrai, je vais le donner, il faut que je le bloque, lui. Hein. C'est vrai. Ouais, mais il est là. Ouais, mais ça lui donne des points ça avec son erreur. Ça lui donne des points avec son erreur. Bah ouais, mais c'est mais deux non. points, du coup. Mais t'es fou. Son erreur, il vaut 4 si tu lui donnes ça. Oui, ouais, oui mais ça rajoute 1 à Erof, et ça, c'est 1. C'est 2 points, là. Là, ce qu'on a envie de lui donner. C'est un gobelin à 0. Un noble. Oui. Mais non, un gobelin, ça lui donne des points aussi. On a envie de lui donner un noble. Mais non, un gobelin, c'est 0. Il a 4 points. Non. Moins 1. Ah, c'est moins 1. Ouais. Mais oui. C'est un enfer. Oui. Bah oui. Il faut me donner des nobles et lui aussi. Mais. Bon, tu me donnes ton elfe ou pas? Le bois, tu t'en branles. Je pense que le mieux, c'est lui donner un gobelin et le deuxième mieux, c'est lui donner un elfe. Donc oui. Putain. Alors là, j'ai une question, c'est est-ce que je prends un personnage pour vous faire un peu chier ou est-ce que je tente un événement? Un événement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais filer une thune à quelqu'un, pas spécialement ce que j'aime faire. Et en fait, si on doit tourner, ça m'arrange pas vraiment. Si on doit avoir une place, je crois que j'aime bien mon board. Bah oui, bah oui. Évidemment. En même temps, tout lui plaisait bien. Bah, donne-moi une autre amoureuse. Ah, ça te plaît, le moi. Le duc. Oh, allez, Rof. Rof. Allez, Rof. 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 Pour les bons souvenirs. Eh, hey, battez-vous un peu, là. Battez-vous un peu. Ce sera l'une de vous deux. Je ne sais pas laquelle, j'hésite. Je n'aurai rien du tout, mais je veux bien que le duc vienne chez moi. Ok, très pas ouf comme argument. N'importe quoi, un petit... Tu es un duc dans mon cœur, Rof, s'il te plaît. Ça s'appelle... Offre-le-moi. Ah bah, ça marche. Merci. Et voilà. Allez, c'est pas grand-chose, hein. T'aurais pu faire un effort, quand même, hein, Marie. Faire plaisir. Et en plus, t'as pas cherché bien loin. Événement. Rassemblement. Choisissez un clan présent à votre table. Chaque joueur défausse un personnage de ce clan, si possible. Le gobelin, du coup, parfait. Bah ouais, je vais prendre le gobelin, en fait. Désolé. Enfin, désolé pour vous, parce que vous n'en aviez pas. À et je vais donner ah oui, d'accord. Ma pièce à... Je ne vais pas enrichir Rof, parce qu'il ne va rien... Voilà. Je suis le dernier joueur. T'es le vrai. Dernier joueur à combien? 19. 19, il est un peu loin derrière, c'est vrai. Bon, allez, vas-y. Il fait sa pleureuse. Ah, merci. Et ça marche. Et oui. Il n'aura pas un elfe, là, je pense. Non. Full elfe. Non. Ça part en... S'il empioche un quatrième... Non, ouf. C'est lequel, Jean?
Je viens de donner une pièce. C'est Jean-Paul. Direct. Moi, j'étais sympa. Il est à 23, il a plus de points. Ouais, comme ça, c'est dit. Je suis obligé d'accepter. Mais non, arrête. Oh là 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 là, tu te fais manipuler. Mais si je lui donnais, ça l'arrangeait aussi, elle a un nain. Non. Allez, pourris-le. Pioche un Jean et donne-lui. Pas d'accord. Ah, carrément. Ah. C'est quoi ? Les chaises musicales. Ah. Échanger un personnage de votre table contre un personnage d'une autre table. Ah, vas-y. Dans quel sens on tourne ? Après, attends. Non, attends. Je me permets. C'est peut-être pas le meilleur move. Vas-y. Oui. Ah bah oui. Je vais rien dire parce que je sens que ça va pas bien. Eh bah, oui. Lequel, non, ça, c'est moins bien, non, ça. Ouais. Ça, c'est Elena, que... Elena est mieux, ouais. Je pense que, ouais. Parce qu'Elena, elle fera 4 quoi qu'il fasse. Je suis d'accord. Moi, j'aime ta pièce. J'ai que des aventurières. J'aime bien la. J'avoue que t'es pas mal. Hein. Voilà. Du coup, il est ouais, pas ou mal. Ouais. Ou les femmes. Tu dois donner ta pièce à quelqu'un. Oui. Oh, stop. Si tu me donnes ta pièce. Oui. J'accède à la fin de la partie pour qu'on puisse gagner plus vite. Non, mais on ne pourra pas. Il n'y a qu'un seul mec qui gagne à la fin. Il n'y a qu'un seul gagnant. Okay. Et donc, moi, si tu me donnes ta pièce, ça équilibre le jeu puisqu'on sera du coup tous à 21, 22 ou 23. Et si je prends un événement, je te le mets pas dans la gueule. Personne d'autre ? Moi, je prends un personnage et je le mets à Marie Grandjeu, quoi qu'il arrive. Ok, moi je te saoule pas avec des arguments, tu me donnes ta pièce. Okay. Allez, ça passe. Merci. Il a fermé, voilà. Donc, alors lui, il aime pas qu'on lui parle mal, c'est à retenir. Ouais. Laurent, faudrait payer. Oh, le roi. Alors, il y a quoi comme noble ? Moi, j'en ai un. Donc là, ça vaudrait 3. Ouais. C'est déjà 3, mais... Pas mal, 3, hein. On va pas cracher sur 3. Bah, de toute façon, c'est soit moi, soit Marie. Ah, tu te le gardes. Peut-être tu veux le garder pour toi, hein. Je ne sais pas. Pas mal, hein, mine de rien. Bah, c'est surtout que tu t'assures que nous, on ne donne pas un genre de... Allez-y. Ou... Bah non, ça va. Ah non, c'est heureux à moi. Ouais, c'est vrai. Bah, je vais accélérer à la fin, hein. Oh, à quoi ? Fais chier, ça vaut des points, ça. Merci. On ça va vaut 3, ça, non on va moi, essayer... ça, c'est à 0. Hein. Oublie pas qu'elle a la frof. Moi, j'aurais mis Dina, non bah, ouais, j'ai aussi Dina lui aussi. Qui a 0. Ouais, mais Dina, elle a pas beaucoup de points, quoi. Mais ah, quoique, elle a 21. Elle a frof, hein. Elle a frof, hein. Mais on ouais, touche... mais ça va. Je veux surtout qu'elle chote pas un rose. Oh, la sale. Oh, putain. Ils sont amoureux. Tu vois, ah là, j'ai pas chaté. Tu vois, finalement. Comment t'as fait ? Moi aussi, j'en veux un amoureux. Ah, et attention, et pour Dina, c'est... Attends, j'allais dire, tu pouvais prendre un événement. La guerre non, mais j'aime bien, je veux... Ouais. Ma table, elle est bien. Ok, et eh ben on va calculer et on aura fini. Allez, Max. Aïe, il y a des problèmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Oh, 12, c'est un beau score. Hein. Ouais. Je pense que c'est Marie, je pense, qui va gagner. Hein. Bah, Marie, c'est très beau, score de Vienne. Avec le don... 9 plus du coup. On est d'accord que c'est 3 les. Il y en a combien des sorcières là ? Il n'y en a pas. Si, ah, s'il y en a une. Donc c'est 3 ? C'est 3. Ouais. Les nobles et les sorcières sont à 3. Oui. 12 aussi. Donc moi ça me fait 4. Moi, les sorcières, t'as dit que c'était 3 ? Oui. Donc 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, Marie a gagné. Marie a gagné. Moi j'ai pris 8. Moi je prends 10. Vrai, Marie a gagné. Ouais, j'ai 33. Oh putain, elle me bat de 1. FF. Et toi, moi, tu as 36. Ah, t'as 36, bah de 2 alors. Moi j'ai 31. Dina, 31 aussi. 34. Et c'est une victoire de Marie Grandjeu. Bah t'as chaté ta merde là. Ah ouais. Fin. Oui, parce que du coup, l'amoureux à la fin. Du coup, elle prend sans plus de suite. Ça, hein. Elle je te rappelle juste que ta première amoureuse. C'est Rof qui te l'a donné. C'est vrai. Bon, alors là. Je pose ça là. Les gens n'ont pas vu ce que t'as fait. Je pose ça là. Non. Il a juste fait ça. Mais sur oui. Sa oh, fais pas croire qu'il a fait des dingues. Non plus. Bien, on a une réputation quand même. Tiens. Il se l'a fait tout seul. Fin de carrière terminée. Hop là. C'était Little Tavern. Ouais. Ah, attendez, donnez-moi les Rof là que je fasse une petite photo pour. Ah bah donnez-moi les Rof. Attends. On aurait pu faire ça après l'émission. Hein. Bon, tiens, vous mettez en place, ça va. Ça va. Un grof, crof. Hop là. Il n'y a que 5 cartes d'aide. De ce mec. Ça se joue qu'à 5 en fait, de toute façon.
Oui, oui c'est de 3 à 5, ouais, donc fin du buzz. Oui, parce qu'aujourd'hui, on fait des jeux où ah, c'est mieux putain, à 5. C'est limite, hein. Quoi? Ah, ça rentre pas? Aïe, 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 aïe. Erreur fatale. Ça rentre, mais c'est au millimètre, quoi. Bah, ça rentre ou ça rentre pas? Bah, il manque un millimètre. Mais ça rentre ou pas? Ça rentre ou pas? Ça rentre. Ça rentre. Ouais, ouais, mais ça abîme les sleeves, du coup. C'est un millimètre de plus, on était vraiment parfait. Et franchement, ça... et encore une fois, mais encore non, une fois, t'exagères. Désolé de vous dire que ça ne change rien de mettre cette pliure bah, un millimètre. Essaye pour de... voir. Ça trouve, c'est pile poil, ça. Ah putain. Oui, bah enfin, réduire ça d'un millimètre, ça change rien non plus. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Pardon, j'ai cassé tout. Casse tout. Ok. Ça rentre ou pas? Tu vois, ah, c'est là, au millimètre. C'est pile, putain. Au millimètre. Et là, ça rentre, donc c'est bon. Ouais, ça va. Ça va, ça va pour cette fois, Théo. Ça va pour tu cette fois. Ta photo, t'as intérêt à me dire que c'est pour moi que t'as fait ça. Hop là. T'as intérêt. Il n'y en a pas un qui te ressemble en plus. Il aurait pu faire des chauves. Grave. On va garder le jeu coop pour la fin. Le jeu rigolo avec des tampons. Ouais. Et là, nous allons passer à Stop Me or Let Me Go. Dans Stop Me or Let Me Go, on va essayer d'arrêter des gangsters. Mm. La personne qui arrive soit à arrêter 3 gangsters, soit à la fin de la manche, celui qui aura le plus de points, remportera la partie. Maintenant, je vais vous expliquer comment on va arrêter des gangsters. Passe-moi la boîte. Je te passe la boîte. Merci. C'est ça, c'est le paquet des gangsters. En fait, pour expliquer les règles, je vais les expliquer là. Parce que sinon... Je peux zoomer si tu veux. On va chacun prendre une couleur. Max Hilton, tu veux les rouges? Évidemment. C'est pas très... Ça te surprend? C'est plus rose que rouge. Je veux les rouges aussi. Et après, les autres, vous voulez quelle couleur? Bah, moi, je vais prendre jaune. Jaune. C'est... En fait, idéalement, prenez regarde la couleur, la couleur qu'on a déjà. Ah, d'accord. Putain, et donc, moi, j'ai le choix entre violet ou orange. Je vais prendre violet. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de noir. Très bien. Alors, dans Stop Me or Let Me Go, le but, ça va être d'arrêter les gangsters. Les gangsters, ils sont nommés ils sont numérotés de 1 à 10. Vous le comprendrez, le 8 est plus fort que le 6, qui est plus fort que le 2. Logique. Voilà. Okay. Il y a une toute petite particularité, c'est que le 10, c'est le big box des, le big box des gangsters. Le big box, pas, hein. Le, box. Big bo- le big boss. c'est le big boss c'est des gangsters. Et donc, du coup, bah, il gagne tout le monde. Mais parmi les gangsters, il y a aussi sa fille, le numéro 1. Et comme on le sait, le papa ne peut pas dire non à sa petite chérie. Et donc, si jamais le 10 se retrouve avec le 1, c'est le 1 qui gagne. Mmh. Ah. J'aime bien les illustrations du jeu et il se trouve que c'est Maud Chalmel qui les a faites. Tout à fait. On l'embrasse. Voilà. On embrasse Maud Chalmel. C'est Maud Chalmel ou son IA qui l'a faite? Je sais pas, mais un des deux. C'est con. Alors comment ça va se passer? On va retourner un gangster. Lorsque l'on va retourner un gangster, on va décider si oui ou non on l'arrête. Comment ça va se passer? Dans nos mains, on a 4 go et un stop. Les go, ça veut dire qu'on décide de le laisser passer. Le stop, ça veut dire qu'on essaye de l'arrêter. Mmh. On va jouer face cachée, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que les autres... Donc, on venait dans un jeu de guessing, où on essaye de réfléchir à ce que les autres vont jouer, etc. Là, c'était le numéro 3. Le numéro 3, c'est peut-être pas forcément incroyable. Ensuite, on va se balader dans la ville, on va croiser un autre gangster. Là, c'est le 4. On va tous aussi, simultanément, essayer ou non de l'arrêter. Mmh. Ensuite, on va révéler un troisième gangster, parce que dans la ville, il y a beaucoup de gangsters. C'est le 7. On va tous mettre des cartes. Et ensuite, on va révéler le 8. Là, on décide de les arrêter ou non. Une fois qu'on a fait le tour de la ville... Ah oui, t'avais pas joué. Il n'avait pas joué. Une fois qu'on a fait le tour de la ville... Maintenant que j'ai vu tous les gangsters, je peux vous... Ouais, le mec, il distribue. Une fois qu'on a fait le tour de la ville, on revient au numéro 3 et on va dévoiler plusieurs possibilités. Première possibilité, on a celle-là. Qui est plusieurs personnes ont essayé d'arrêter le numéro 3. Ils sont devant le gangster, ils sont en train de dire non, mais c'est moi qui l'arrête. Non, 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 non. Hop, qu'est-ce qui se passe? Font les poissonniers. Le gangster, oui, je t'ai touché, c'est ça, j'ai pas le droit. Excuse-moi. Au contraire. Que, au contraire. Touche la cite pas. Et donc, du coup, on se dispute. Le gangster, il en profite pour fuir. Personne ne l'arrête. On récupère les cartes qu'on a dans les mains. Ce gangster a fui et on en croise un autre. Et on va pouvoir, avec les cartes qui nous restent, continuer de jouer. Il nous reste, mais on a récupéré toutes les cartes. Bah non, parce qu'en fait, on en a 5, on en a joué 4, il nous en reste une, et comme on vient de récupérer celle de ce gangster-là, on en a deux. Et donc, du coup, on va jouer une des deux. Ah. Donc, c'est intéressant de savoir, par exemple, là, il y avait le stop violet. Mm. On sait que j'ai récupéré mon stop, donc vous savez, sur les deux cartes que j'ai en main, il me reste mon stop.
Ensuite, on va continuer. Autre exemple. Je triche un peu pour vous expliquer les règles du jeu. Il n'y a que des go. Okay. Le gangster fuit forcément, il n'y a que des go. Et si jamais il y a un seul stop, la personne l'arrête. Là, en l'occurrence, c'est le stop bleu. C'est moi. On fait l'autre, tu vas arrêter le gangster numéro 4. Ça lui plaît. Ah oui, forcément. Ensuite, du coup... Parce que j'aime bien le 4, c'est mon chiffre par bonheur. Et je suis ravie de le savoir. Ensuite, comme il y a quelqu'un qui a été arrêté, on va continuer le tour, on ne remet plus de gangster. Et on va vérifier si quelqu'un a arrêté un plus gros gangster que toi. Ouais. Donc là, on va regarder. Ici, tout le monde a laissé passer le 7, personne ne l'a arrêté. Donc pour le moment, Rof est toujours gagnant. Ici, le boss. Fallait qu'Axel intervienne. Axel, il a arrêté le 8. BG, il a arrêté le 8. Et ici, le 6, de toute façon, personne ne l'a arrêté. Oui, c'était Rof, mais c'est parce que j'ai triché. Imaginons, je l'ai arrêté, je prends le 6. On compare. Axel a arrêté le plus gros gangster. Il va donc récupérer un jeton. Les jetons sont numérotés de 0 à 3. On est 5. On va prendre 5 jetons plus 2. Tu vas en prendre un au hasard. Ce sera pour toi, ce sera tes points. Le jeu s'arrête soit quand on a utilisé tous les jetons et du coup on regarde celui qui a le plus de points et remporte la partie, soit quelqu'un est vraiment trop fort, il arrive à gagner 3 fois et avec 3 jetons, sans même regarder ce qu'il y a en dessous, c'est victoire immédiate. Mmh. Ok. Voilà. Vous savez jouer à Stop Me or Let Me Go. Récupérez les cartes de votre couleur, on remélange les jetons, on dégage les jetons qui ne sont pas joués pour éviter de les confondre et c'est y part. Cette équipe bleue, c'est mon toi. Stop, s'il vous plaît. C'est vrai que c'est mieux. Si j'ai pas de stop, ça va pas être. Faites gaffe à ce que votre voisin ne voit pas vos cartes. Et on sera pas mal. Hop, hop, hop. Police du standard, bonjour. Police du standard, excusez-moi, police. C'est bon. Non, je crois pas. Si. Putain, elle sera plus petite pourtant. Ouais, mais parce qu'en fait le cadre est plus grand. Le cadre blanc est plus. Est-ce qu'elles sont pas plus. Tiens, regarde les Little Taverne. Ouais. Je sais pas, j'avais cette impression, mais apparemment, ça vient de mon cul. Par contre, en effet, moi, c'est ça, les bords sont plus arrondis. J'ai slivé mes cartes et ça ne tient plus. Ça rentre plus dans la boîte. Ah oui. Alors, ça, c'est vraiment très. Qui a fait ça ? Qui a édité ça ? Ok, c'est bien ce qui me semblait. Les bords, les bords sont. Ah, vous allez le voir ici, peut-être. Et ça dépasse. Avec les bords de Little Taverne sont un peu moins arrondis. Ceux-ci sont un peu plus arrondis. Donc ça me donnait l'impression que c'était plus petit, mais en fait, non, c'est le même format. Du coup, sleeve. Oui, mais tu pourras plus les ranger dans la boîte. Ah, on pourra plus les ranger dans la boîte ? Non. C'est ce que dit Marie. J'avais pas écouté, je suis un connard. C'est pas toi le connard, c'est... Non. Mais c'est quand même une très mauvaise nouvelle, mais c'est pas grave. Qui a fait ça ? Kiff Edition. Pierrot, qui est d'ailleurs illustrateur de jeux de société. Et après, ils sont 4. Voilà. Kiff Edition pour... C'est un mot anglais. Le F, c'est friends, et c'est une expression anglaise. Mais moi, je suis nulle en anglais. Voyez ou pas ? K, your friends, kill, qui. Il y a un truc avec les. Ça s'arrête par friends. Your friends. T'es pas sûr d'une anecdote, kif. Là, dis pas. Parce que c'est là. K-I-F, c'est juste ça ? K-Y. 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 C'est your friends, j'imagine. Mais c'est pas quelque chose, mais j'ai oublié, je suis nulle en anglais. Bah, ça va pas être kill your friends, mais. C'est peut-être kill peut-être, your friends. C'est peut-être kill your friends, je ne sais pas. Bizarre l'ambiance. En attendant, refile-moi la boîte de Stop Me or Let Me Go, s'il te plaît. Oui, tout à fait, pour vérifier quelque chose, mais c'est bon. Hop, hop. Et alors, je vais pas pouvoir faire la personne qui retourne les gangsters parce que je suis trop loin. Donc, je vais laisser quelqu'un au milieu pour le faire. Ah non, t'as mis la carte comme ça ? Ok, bah alors en fait, on peut le laisser là. Allez. J'ai fait quoi ? Non, mais le zoom est là, donc on laisse le zoom là. On peut, faudra juste jouer vers Marie quoi. Oui, c'est bon. Voilà. Ok, eh bien c'est parti. Je me pencherai. Le premier gangster à arrêter est le numéro 7. Peut-être. Know your friends. Ah, know your friends. Connaître ses amis. Ouais. Ok, ok. Sûrement, ça doit être ça. C'est mieux que kill, effectivement. Donc on choisit si on l'arrête ou pas, c'est ça ? Allez. Alors c'est un numéro 7 quand même. C'est fort. Quand moi, même. Je vais pas l'arrêter. Mais peut-être que j'ai menti. Ah, faut qu'on annonce qu'on a mis. Ah, pas du tout. Mais pas tu fais ce que tu veux. Ok, bah je dis rien. Ok. Grosse ambiance. Grosse ambiance. Allez, hop. Ça va combien à combien de... Toi, t'as bien suivi. Un à 10. Oh là. Excusez-moi, j'écrivais à Théo. Bah, c'est ça le problème. Ah, oui, donc, ouais, c'est ça. Le 3. Ok. Moi, je l'arrête. Le 2. Quel change. Ah. Putain, j'aurais dû rater le 7. Je l'arrête encore. Ouais. Le 10. Ah ! À qui il en reste ? Alors peut-être ?
Et on révèle pour le 7. Il y en a que deux. Ça a failli passer. Le bleu et le jaune. Donc le bleu et le jaune, vous récupérez vos cartes, nous aussi. Ok. Le 7 s'est enfui devant la bataille entre Dina et Rof. Qu'est-ce que ça en pense? Et là, nous avons le 5. On recommence là? Bah on continue, personne n'a été arrêté. Oui mais attends, du coup si jamais... Excuse-moi. Si jamais lui il n'est pas arrêté, on remet quelque chose? Oui. Ah oui mais de toute façon on reprend nos cartes, c'est ça? Oui. T'inquiète. Tout à fait Thierry. Attends, joue. Voilà. Le 3. Nous avons go. C'est ciao. Personne n'a voulu arrêter le 3. Alors qu'un tien valait mieux que de toujours. Bizarrement. On sait que... En plus on savait que vous deux vous aviez récupéré vos stops. Mm-hmm. Donc... Ah, le 10 était là. Si quelqu'un a le 1... Alors peut-être. Ok, est-ce que quelqu'un a voulu arrêter le 2? Je pense. Ouais, mais en vrai, ça aurait pas été con, mais... Ça aurait pas été con. Mais ça n'a pas été fait. Donc le 2 s'enfuit également. Ensuite, le 9. Ah! Je pense que là, Maxildan et Axel... Ils se sont jetés dessus. Ouais, je pense. Ouais. C'est possible, hein. Bah et toi, Marie? Non, moi, je l'ai pas mis. Ouais. Bravo, les gars. Prévisible. On s'est fait baiser, faut le dire. Donc, le 10 s'en va. J'étais en mode, je pense qu'ils en ont plus, ils ont tout le lâché. 4. Moi, c'est ce que je me suis dit, du coup. Quelqu'un n'a pas joué? Ouais, c'est moi. Ok. Je réfléchis. Ouais, t'as deux goûts en main. Non. Mais non, il y en a qui parlent. D'accord. Est-ce que vous avez... Moi, j'avais gardé mon stop, mais est-ce que vous l'avez joué aussi? Ah non. Donc moi, j'ai arrêté le 5. Ah. Solide. Ouais. Ouais, donc la manche s'arrête. Ah non, merde. Ah, ça s'arrête. Donc là, c'est bon, ça s'arrête, donc on peut même pas aller sur... Si, on va vérifier si quelqu'un a... Mais on ne rejoue pas. Ah oui, d'accord. Ah ok. Il a vraiment rien dégoûté ce bâtard. Bah oui, bah normal. C'est la fuite du numéro 1. Peut-être que... Tout le monde l'a laissé passer. Bah ouais, parce qu'on a mis ton atout sur le 1 quand t'aurais pu le garder. Même chose, là. Ouais, pareil. Donc, Marie. J'espérais que ça s'arrête pas là. Hey ah, dans tous les cas. Je pioche un jeton et j'ai une victoire. T'as le droit de le regarder? Oui. Et maintenant que j'ai compris le jeu, t'es foutu. Ouais. Allez. Elle nous a bien eu sur la première manche. Et plus tu joues avec le même groupe de personnes, plus tu vas jouer différemment. Ouais. Je suis là. Hein. Tu sais ce que je vais te dire, là. Je peux avoir mon stop. Va me le dire avant. Ah ouais, parce que non, trop tard. Merci. Il va te dire, j'ai envie de te goûmer. Je regarde si Théo m'avait RT. Ouais, c'est bon. Mais ça va te donner quoi en plus? Mais il va on pas te RT, il va même pas te répondre, il va te laisser un vu. Tiens, file-moi une carte la violence. À moi, ça fait mal à mon petit cœur, ça. C'est pire qu'ils te disent non, c'est pas du tout par rapport à toi, ou qu'ils te laissent en vue? Il ne laissera pas en vue, il m'adore. Waouh, la confiance du mec. Nous allons commencer avec un 3 de nouveau, un petit 3, graffeur sur les murs. Un petit 3. C'était une soirée avec Théo Rivière à Cannes. Oui. Excusez-moi de raconter un petit peu ma vie. Oui. Et il y avait trop de monde dans cette soirée. C'était une grande villa, mais il y avait trop de monde, d'accord? Trop de monde. Et du coup, je vais voir Théo et je lui dis comme ça, Théo, est-ce qu'il y a moyen que j'aille dans une chambre un petit peu à l'écart? Tout seul? Non. Avec d'autres potes, parce que là, est vraiment... D'autres potes Il y avait notamment Axel. Je vois ce moment. Ah là, tu vois ce moment. Bon, j'étais pas là, moi. T'étais pas là. Oui, non, mais je suis arrivé. T'es arrivé après. Donc, ouais, est-ce qu'il y a moyen? On est 5 ou 6. 5 ou 6 potes? Oui, bon, bah voilà. On va à l'écart et tout. Est-ce que c'est possible d'emprunter une chambre? On fout pas le bordel, quoi. Juste, on sait. Mais juste, oui. Et moi, je m'attendais, hein, mais évidemment, il n'y a pas de problème. Il m'a dit, non, je préfère pas. Et du coup, ils ont été se mettre dans l'entrée. Moi, je suis arrivée après. J'ai ouvert la porte et il y avait 5 mecs, mecs et meufs par terre dans l'entrée en train de discuter comme ça. Oh, on a du foot dans l'entrée. On a quand même fini dans une chambre à la fin. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est vrai. Est-ce que tu peux arrêter ou non ce numéro 3? Ouais. Oui, tu l'as arrêté? Ouais. Ok. Le numéro 1. Moi, je le laisse passer. Mais c'est mort, ça m'intéresse pas. Numéro 2. Ah là, on est vraiment sur des petits. Oh, les chiffres nuls, j'en veux pas. Top, on va tous petit. Ah là, et là. Quelqu'un a pris le 1, donc je m'en fous aussi. Voilà. T'es en train de nous dire qu'il te reste ton stop dans les mains, Maxilda? Exactement. On va voir si quelqu'un a voulu arrêter le 3. Putain, j'aurais dû. Mais étonnant. Ouais. Numéro 7.
Alors, si quelqu'un a arrêté le 1, oh, personne. Étonnant. J'ai vraiment failli. Mais non, mais franchement, ça aurait été un bon play. Hein. Ouais. Du coup, le 1 s'en va. Le 6. Ok, okay. Le suivant. Le 2. Est-ce que quelqu'un a été le 2? Personne. On va avoir raté le 10. Mais vous allez voir que dans les autres parties, plus on va jouer, plus les petits gangsters ils vont être arrêtés. Ouais, ouais, de temps en temps, c'est 8. Parce que là, tu vois, en faisant le tour avec ton 3, tu gagnais le tour. Quoi. Ouais. Non. Tu as raison. Alors le 10. Alors attention, il y a combien de stops? Stop. 1, 2. Oh, putain, vous êtes annihilés tous les deux. C'était vraiment. Un peu trop évident. C'était logique. Le 10, je crois. Heureusement qu'il y en a. Enfin, oui, que. Et... Oui, voilà, je me suis compris. Compris. 9. On sait que. Alors, Rof, est-ce que tu vas arrêter le numéro 9? On récupère leur stop, attends, on le sait. Putain, je vois rien dans son âme, rien. Elle est vide. Le 7. Et alors? Non. Oui. Non, attention. Non. Parce que Marie-Grand... peut-être. Oh, bien joué. Je suis un grand joueur. Alors du coup pour le 6. Bah moi. Ah non, merde. Marie. Le 8. On sait qu'il y a personne puisque voilà. Et là les gars, est-ce qu'il y en a un? Si vous êtes deux à l'avoir mis. Bah c'est sûr. Ou personne. C'est sûr. Et le 9 c'était pas mis. Putain, du coup tu lui donnes la victoire? Ouais, ça me fait plaisir. Oh mais putain. Merci au moins. C'est Axel, pas vrai de jouer avec des cons pareil. Tu peux prendre un jeton. Pourquoi tu as Mais maintenant que j'ai compris le jeu. Oh c'est bon. Saleté. C'était. Tu savais que tu le laissais gagner en faisant ça. Je me suis dit il a peut-être pensé comme moi, puisqu'il a pensé comme moi la première fois. Et mais dans coup, tous les cas, tu ne gagnais pas. Toi, tu n'avais vraiment rien à gagner. Ouais. Je sais bien, je sais bien. Si je pensais comme toi, quelqu'un d'autre allait forcément gagner. Bah c'était mal. Parce que si 9 passait. Il restait un 8, non personne. Il restait pas un 8? Ah non. Si. Non, c'est moi qui gagne. Ouais. Oui. Voilà. Il y avait 8. Oui, mais ça, j'en étais. À ce moment, au moment où on l'a mis, on le savait pas. Bien sûr. Oui. Au moment où on le savait, on le savait pas. Ouais, mais la proba quand même. Il y avait une proba quand même. Le 5. Ah, le 5, il est intéressant. Ça va jusqu'à 6. Pardon, je répondais. Ça va de 2 à 6 joueurs le jeu. Ah, tu m'as posé la question de 2 à 6 joueurs, ça va jusqu'à 10. J'ai vu quelqu'un qui l'a reposé, du coup, m'étais dit que je t'avais pas répondu. Le 6. De 3 à 6, en plus, je crois. Évidemment, c'est toujours plus intéressant. De 3 à 6, pardon. Bah, les steaks. Ah ouais. Ah ouais. Oh, alors peut-être. Il n'y a pas eu de 1, ça commence à être pas mal. Oh, ok. Le numéro 5. Pour le numéro 5, le bleu a dit go, go. Le vert go. A dit go, le violet a dit stop, stop. Le jaune a dit stop, le rouge a dit stop. Oh, putain. Qu'est-ce que vous êtes nul. Putain. T'as raison, tu penses comme Axel. C'est Rof qui a gagné. Bien joué, mec. Attends, c'est pas fini. Le 9. Dina, Max, vous allez arrêter le 9? Non. Non. Alors, je l'arrête. Pour le 6. Il y en a deux. Il y en a deux. Et voilà, les deux. Ouais, ouais, ouais. Putain, ça veut dire que cela, c'est dégo. Ouais. Ça veut dire que le 10, personne ne l'a arrêté. Bah non, du coup, personne n'avait de stop. Le 4. T'as mis ton stop là-bas ou pas? Le 3, du coup, tout le monde... Attends, il n'a pas joué. Voilà, tout le monde... Mais attends, stop, il y a un problème. Non. Pourquoi? Ah, je croyais qu'il n'y avait plus de cartes en main. J'étais en mode, qu'est-ce qui branle? Bleu, vert, jaune, rouge. Donc le 3, personne l'a pris. 7. Max, tu regardes pas trop tes cartes. J'ai peur que t'aies joué ton stop, du coup. Ce serait terrible. Hein. Bon, là, le 10, personne l'avait. C'était logique. Ouais. La déception. Dommage. Mais là, je pense... Chut. Alors, tu l'avais arrêté? Peut-être. Moi, oui. Moi, oui. Là, t'as dit non. Ça. Putain, tu crois tout ce que je dis? Bah oui, excuse-moi, je te fais confiance. Bah, tu devrais pas. Ça se passe bien. Cette game se passe bien. Là, par contre, Max, il a dû prendre celui d'après. On va voir. Hein. Personne. Du coup, on doit quand même continuer. Ah, ça va peut-être tout changer. Ah non, il n'y a pas eu le 10. Bah, le 10, c'est... Mais le 10, il est parti. Il suffit de... Bah, peut-être qu'il n'y aura que le 1 qui va être pris. C'est vrai. C'est vrai.
Ouais, mais là, Max, il l'a mis. Le 4. Max. Personne. Non, on l'a gardé. On remélange et on rejoue. Ça arrive très rarement, mais... Et bah, quand c'est des gens super intelligents. Les gangsters reviennent, ils font le tour de la ville. Ouais, ils sont trop cons. C'est le numéro 10 qui sort. Le 7, donc tu l'as mis là. Oh, mais ils mais sont tu n'es pas. Ça, c'est mes boys, ça. J'ai tellement mal joué. Casse les couilles, putain, c'était win. Allez, c'est infini. Oh, j'ai tellement mal joué. C'était win, putain. Le 5. Bon, les gars, on va pas se laisser emmerder par. Attendez. Moi, je discute pas, je joue. C'est, non, mais c'est pas fini donné, du coup, jouer. C'est pas fini du tout, quoi. J'ai fait mon choix. Bon, t'as fait un choix au hasard ? Non. T'as réfléchi ? Non, il a pas réfléchi. Bizarre, hein, pour toi, mais... Ok, bah, bien joué. Oh, le 8. Le 8 s'en va. Allez, le 9. C'est, ça devient... Hein, c'est chaud, c'est hein. Infini. Là, celui qui prend le 1 a gagné, là, c'est ça ? Non, 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 il n'y a pas gagné, parce qu'on finisse. Personne. Personne n'a pris. Oh là 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 là, le jeu de con. Ça ne s'arrête. La manche interminable. Le 10, finalement. Le 10. Bah là, il me restait mon stop. Ah bah, c'est bien. Oui, putain, Marie, bien sûr. On y croit. Au même endroit. C'est sûr. Putain, personne n'a pris. Putain, on a visé la même chose. Daniel, là. Merci. Le 5. Alors là, c'est alors là, ça joue. C'est possible. Tout serait... Putain. Putain, il a pas pour ça le prendre. Ça veut dire que tout le monde a mis au même endroit. Mais non. Oh, le 6. Oh, c'est sûr. Fais genre, il te reste pas deux go, toi. Je peux jouer ou pas? Et là, et là, là, et là, là, allez, là, c'est pour tout le monde. Et là, ça sort. Et ouais. 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 Bravo les tous cons! Tous ensemble! Hey, les cons! Hey. Oh les cons! Oh le bon, jeu allez. Infini! Oh, c'est bon. La première fois que ça m'arrive dans une game. Hein. C'est la première fois que tu joues avec des gens intelligents. Ouais. Enfin. Alors, maintenant on sait que tout le monde a son stop. Oh, vous me fatiguez là. Bon, alors. Bah, en fait, ce qu'on peut faire directement aussi, c'est récupérer toutes les cartes là en fait et recommencer de zéro. Bah non, parce que. C'est que là, c'est que des go là. Vas-y. Réfléchis. Bah, attends, faut qu'il joue. Oui, rien. T'as pas prendre un 4. Ça a chier un 4. Il vaut mieux un 4 que rien. Il vaut mieux un 4 que rien à un moment donné. Hein. Bon, on peut récupérer du coup là. Oui, là, on a fait go. Le 10 est perdu. Le 7. Ah, c'est bien ça de l'info qu'il a pas joué avant. Ou alors il bluffe. On connaît. Il connaît. Toujours pas accès. Hein. Pardon, excuse-moi. J'ai joué vite, lui. T'as joué vite ? Je joue toujours vite. En fait, vous croyez que je regarde pas mes cartes, c'est juste que je sais toujours où est mon stop. Ah oh là là, mais ça, c'est un truc. Donc, je regarde pas, je joue. Voilà. Trop fort. Oh là là. Trop fort. Trop fort. J'ai à peine posé la carte, Max. Mais comme ça, vous avez pas le temps d'évaluer ce que je fais. Le jour où tu seras lent. Ah, elle est toujours là. Le 4, personne n'a pris. Personne n'a pris le 4. Tu vois, t'aurais pu le prendre. Toi aussi. Bah oui, mais du coup, ça aurait pas marché si on avait pris tous les deux. Bon, bah est-ce qu'on a refait la même chose? Est-ce qu'on a refait tous la même chose? Alors peut-être. Non. T'es prêt? Eh ben non. Et non. Et non. On a peut-être refait le 4. Et non. Oh non. Et non. Et oui. Oh, pardon, Maxilda. Oh, en fait, t'as Maxilda. Maxilda. La recette, c'est pas mal. Ah bah du coup, ouais, tout ça, ok, voilà, donc on va voir yes. Pour bien lui. Joué, Max. Oh non. Stop. On go. Stop. 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 Ouais, 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 fou. Donc personne le 8. Ensuite. Ça, alors attends, parce que du coup, on... Ah oui, non, parce qu'on met pas, c'est ça. En fait, il y a le 1. Non, il a récupéré. Bah ouais. Moi, j'ai pris le 1, je pensais que le. Super, le 1 quand génial. Même. Le 10, ça allait peut-être sortir. Peut-être j'ai voulu la jouer. Moi, je l'avais mis là. Du coup, là, c'est go. Allez, file action. Et voilà. Merci. De, bon. De tout le c'est monde premier, à juste Max Hildan. C'est trois jetons. Fallait suivre, Max. Là, c'est trois jetons. Soit à la fin, on révèle et on regarde le nombre. Là, il reste 4 jetons à distribuer. Et après, on regarde celui qui en a le plus. Si merci. Quelqu'un arrive à avoir 3 jetons avant la fin, c'est gagné ça. D'office. Bon, pour l'instant, tout le monde a un jeton, sauf Rof et moi. Et là, effectivement, Know Your Friend prend tout son sens. Oui.
C'est vrai. Lina va se refaire. Oui, là c'est mon moment. Maintenant que tu as compris les règles, tu vas gagner, c'est ça? Exactement. Ouais. J'aime quand t'es comme ça. Oui, non mais. Ah, ça, on a compris que personne le prenait. Ah, le regard carnage. Bah, vas-y. Bah, le truc, c'est que si jamais. Mais il y a évidemment quelqu'un qui va le mettre et t'es baisé. C'est Max qui l'a mis. Il l'a mis direct. Peut-être. Mais bien sûr. Peut-être. Ouais. Ah, je l'ai mis. Ah, j'ai pris le 10. Allez. Oh, et si le 1 tombe pas, ça voudrait dire que j'ai gagné direct. Oh là là. Quelle dinguerie. Faut que tu mettes ton stop, prof. Faut que t'arrêtes, Max. Mets ton stop, prof. Stop, mets ton stop. Mais non. Attends stop, que le 1 prof. Arrive. Le 3. Le 6. Le 6. Voilà. Max, il a plus que des go, de toute façon. On le sait. Le 4. Alors. Alors. Qui a arrêté le 10? Ouais, j'ai tenté. Allez. Ah, putain. Bah oui, d'accord. Dommage. Fin du buzz. Allez, on dommage. A essayé. Alors, ça n'a Marie? Pas marché. On va voir. Le 8. Eh ben. Bah, vous l'avez mis? Peut-être. Putain, vous avez quand même 3 à avoir misé sur le 10. Hein. Putain. Je connais Max, en fait, il l'a mis. Il l'a mis flat, là. Tu l'as mis, toi ou pas? T'as scoré ou pas? Je connais Max, il l'a mis. Il l'a mis. Son play, c'est de dire, vas-y, il n'y a que moi qui sois assez con pour aller sur les gros trucs. Bah, c'est pas grave, il passera à son tour. Il me connaît tellement par cœur, c'est terrible. Mais un stop ou pas? C'est 8, hein. Écrase-toi, Rof, ça vaut mieux. Ah, Axel, tu fais chier. Tu l'as mis là? Non, je pense que t'as gagné. Il est encore dans sa main. Il le garde. Il l'a jamais mis, il le met plus, son stop. Le 1. Là, il l'a mis. Alors, le 6. Allez. C'est pour Marie. Je l'ai arrêté. Ouais, bah, et Axel? Tu l'as pas arrêté? Et non. Ah, okay. C'est pas mal. Bah, tu viens d'arrêter le 1. Donc là, ça arrête le jeu. Le 4. Oh, c'est pour Axel. Et pour quand Axel. Même. Ça sert à rien. Attention. Il avait juste envie d'enculer à table. Et non, vous étiez mais tu savais que j'avais mis. Tous les trois. Je pensais que tu l'avais mis. Bah, je te l'ai dit avec mon regard. Eh ouais. Depuis quand tu dis un truc, c'est vrai? C'est pas vrai. Putain. Hey. De toute façon, ça n'aurait pas servi. Bon, là, il faut jouer contre Marie. N'oubliez pas. Oh oh oh. Bah quoi, t'as plus de jetons. C'est quoi cette alliance? Oh, je dis non à l'alliance. J'arrive pas hein, ce jeu. Hein. Vraiment, c'est. C'est fait un peu pour les. Li. Je vais arrêter de réfléchir. Ça marchera peut-être mieux au hasard. Pas très pourquoi. Parce que nous, évidemment, on a le meilleur play. Oui. Mais, mais coup, on a tous les trois le meilleur play. Oui, c'est ça. Non, ouais, c'est mais tant, on s'annule. N'importe quoi. Ouais. Tu dis n'importe quoi. C'est aussi intelligent d'arrêter de les plus bas, tu vois. Bah, je gagne de toute façon. Non, bah. 9. Et bah tiens, vas-y, de devoir arrêter. Bah lui, il l'a mis, du coup. Et après, bah, on réfléchit. Voilà. Bonne chance à vous. Mais ça se trouve, il le fait pas tout le temps. Si, si, il l'a fait. Tu l'as fait? Peut-être. Je sais pas. Tu l'as fait? Tu l'as fait? Alors, la joueuse de poker, t'arrives pas à lire? Non. Dommage. Non. Max, Rof, tu veux faire quoi? Du coup, tu veux mettre ton stop pour l'arrêter, en fait, c'est ça? Mais du coup, c'est pas comme ça que tu vas gagner. Hein. Mais c'est ça. On a dit qu'on était contre Marie, là. On n'est plus contre les autres. Au bout de cours. Marie, elle l'a pas mis. Au bout de cours. Le 2. Ah, c'est pas impossible qu'elle le mette pour le juste pour mettre pour le lore, pour le sauver, pour avoir quelque chose quoi. Tu devrais l'arrêter, je pense. T'essaies de lire en moi? Ouais, je vois beaucoup de vide. Tu sais que tu fais cette blague avec tout le monde, au bout d'un moment ça marche pas si tu la fais à tout le monde. Ouais, ben là ça, les gens rient tant que ça, tant que ça arrive. Okay. Tant qu'il gagne, il rejoue. Le jour où il se prendra un beat, c'est là où il arrêtera. Ah, je crois que... Oh là, Max a hésité là. Ah, le 7. Oh là 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 là. Je pense qu'il a fait semblant d'hésiter pour qu'on croit qu'il hésite, mais qu'en fait il a pas hésité parce qu'en fait il l'a mis là. C'est ça, peut-être. Allez, c'est très, très fort. Exactement ça. Ça, c'est pour toi, Marie. Je le mets ici pour te bloquer. Ok. On va regarder sur le 9 qui a misé alors. Oh, stop, go, go. Go. Oh content pour toi. Je suis content. Je suis premier degré content pour toi. Ah, ça me fait plaisir. Tant qu'il l'avait pas mis, Max. Heureusement qu'il y avait compresseur sur la micro, hein. Sinon c'est terminé. Hein. Fin enfin de vie pour tous ceux qui l'engagent. Bah, du coup, merci d'avoir été raisonnable. Merci à vous. Wow. C'est Max qui m'a bloqué.
Ah, mais vous aviez vraiment pris le 2. Je me suis dit, vas-y. T'as changé ta tique, je pars sur le 2. Mais oui, mais en fait, parce que si personne n'arrête rien et que t'es tout seul à arrêter ton 2, ça marche. Hein. Ah, c'est comme ça. Bah ouais. Espèce d'idiot. Et là, du coup, on se bloque, c'est ça? Non, bah oui. Bah oui. Mais de toute façon, vous avez le 5. Bah oui. Bah oui, ouais, bah oui, mais ça, c'est les gens. Mon premier pion, s'il vous plaît. Bravo, je suis tu veux le 1, le 2 ou le 3? Ok, c'est bah j'espère que c'est un 3. Hein. C'est le meilleur. Il me faut le 9 du coup, parce que le gangster il revient dans la ville après. Il s'évade de libéré. Prison. Ouh, il est tout évadé. Oui, on doit être en France. Bon, est-ce que genre je vais réussir à gagner un point? Libéré pour une bonne conduite. T'as dit quoi? Ah oui, t'es le seul qui n'a pas de points. Ouais. Tu perds un point sur les points, tu es le seul qui n'a pas de jetons. Voilà. Ouais. Vous avez tué 3 personnes? Ce sera 3 jours. Hop. Bah, tu rigoles, mais c'est pas drôle. Et le 4! Ah, ben ça, c'est Rof, il va l'arrêter. Pourquoi j'ai rentré un 4? Tout à l'heure, t'avais arrêté le 4. T'as dit, elle me plaît bien celle-là. Non, c'est moi qui ai arrêté le 4 tout à l'heure. Ah. Bah, quand je disais, elle me plaît bien celle-là, c'était toi? Ah oui. Ah. D'accord. Moi, tu peux pas m'arrêter. Et c'est parti. Ça va vite. Alors, ce 6. Pour le 6, qu'est-ce qu'il a dit Max? Il a dit go. Qu'est-ce qu'il a dit Rof? J'ai tenté. Il a dit stop. Qu'est-ce qu'elle a dit, Marie? Oh, putain, elle a dit go. Pas toi, qu'est-ce qu'elle a merde. Dit elle a dit go, Dina, et le elle stop. A dit stop. Mais les deux, pareil. Vous jouez tout pareil. Allez. Même cerveau. C'est ouf. Ils jouent tout pareil. Aïe, aïe, aïe. Bon, on y va sur le 7. Il n'y a que nous qui pourrons y aller, c'est ça? Attends, bah, tu sais pas, surtout, il me restait mon stop, hein, en fait. Oui. Oui. Il reste... Oh, non. Oh, en 2024 rendez-vous compte. Alors, rendez-vous compte, t'as folie, mec. 7, 7, 7, 7, 7, et on a le 9 qui est parti, c'est ça? Axel. Alors, le 6 qui est parti. Ah oui, mais c'est le 6 à l'envers, ça m'enlève. Ok, Axel. Moi, j'aurais envie d'y aller. Donc, toi, t'as aussi envie d'y aller, parce qu'on pense un peu pareil. On est les mêmes personnes, t'as un peu plus de muscles, j'ai un peu plus d'esprit. On va, du coup, essayer de... penser l'inverse, et du coup, je pense qu'il faut faire ceci. Ok, on va regarder le 4. On verra. Et ben, c'est Marie grand jeu, prend le 4. J'ai arrêté le 4. Pas mal. Ça arrête le jeu. Et si je gagne, je le rappelle, je gagne la partie. Oui. Ah oui. Sur le 3. Sachant que tu peux gagner que là-dessus. Oh. Non, je peux perdre que là-dessus. Je peux perdre que là-dessus. Donc là. Oula. On a Max et Dina. Vraiment, mais à ça va se jouer à est-ce que Axel et moi on a encore mis exactement. La même chose. Exactement. Bah, la question. Attention. La question. Alors ça c'est bon. Alors, attends. Je me permets. Vas-y. Regarde pas les deux nôtres. On est d'accord que tous les vôtres normalement c'est mort. C'est go. Oh là là. Est-ce que j'ai gagné ou pas? Ça va se jouer sur vous. Est-ce que j'ai gagné ou pas? Ça va se jouer maintenant. Ah, ah merde, les gens ont pas eu. C'était les deux stops. En fait, il faut être le seul à penser comme soi-même. Tout seul. Ouais, alors que ton cerveau est facilement réplicable. Ça récompense pas l'intelligence, ça récompense l'originalité. Attends, il reste un ton à gagner. Hein. Non, non, non. Ah, t'as 3, t'as gagné quoi qu'il. Ah, putain, décevant. Bah, bravo, meuf. Et puis moi, ce que tu m'as donné, c'était un 1. Excusez-moi, j'ai gagné à l'épreuve interne et à Stop Mirror Let Me Go. C'est vrai. C'est vrai que c'est deux jeux très, très... C'est vraiment deux jeux très, très experts, en tout cas. C'est parce qu'elle connaît les règles. Je sais que dernier jeu... Full focus, c'est terminé. Mais c'est pas un jeu coop. Ça tombe bien parce que le dernier jeu c'est un jeu coop. Ah bon, tu vas aussi gagner du coup parce que t'es dans notre équipe. Ça m'énerve. Voilà. Ça dégoûte. Le jeu coop ce sera Ink It. Est-ce que tu nous expliques Ink It? Et bien sûr, je vais vous expliquer Ink It. Alors Ink It c'est un jeu avec des tampons. On parle évidemment. C'est un peu crado. C'était évident. Tampon. Tu veux pas renouveler un peu non, tes parce blagues que et des être fois, un peu original? Et non, parce que des fois, quand c'est trop quoi évident et que tu le dis, c'est marrant aussi. Ah ouais. Ok. Ah bon. D'accord. Ah, ok. Donc c'est un jeu avec des tampons. On va devoir dessiner. Oui. Non mais on est où là? Je me sens. Alors, oh, c'est trop rigolo. Quatre couleurs de tampons. Le jaune, il sera forcément une barre. Vous voyez, ça va ensemble. On n'a pas le droit de mettre le jaune dans autre chose. Oui, que bah ça. Sinon, ça va se transformer en noir. Oui, mais c'est ça, parce que tout à l'heure, j'ai fait une bêtise. Ah, tu l'as fait. Le triangle, il va se faire. Tu l'as mis sur le rouge. Pause. Il y a un autre défaut sur ce jeu. C'est quoi? La boîte, j'ai envie de la casser en deux. Tu peux ouvrir la boîte, s'il te plaît. Avec plaisir. Je n'y arrive pas, parce que ça n'a pas été édité par... Voilà. C'est inouvrable. C'est inouvrable.
Je vais pas l'ouvrir tout à l'heure. Bah, regarde, comme il galère. Regarde comme tu galères. Ouais, bah merci, donc faut des ongles. Ouais, mais voilà. Quel enfer. En plus, tu niques ta boîte à chaque fois que tu l'ouvres. C'est ça. C'est vrai qu'il y a des petits. Nul à Yesh. Dommage parce que le jeu était pas mal. Non, mais faut le dire quand c'est. Quand donc, bien joué, Marie, t'as mis du rouge sur ton tampon en triangle. Ouais, bravo. Bon, Marie. Ça va, j'ai fait. C'était tout à l'heure dans. J'expliquais les règles à Max, j'ai parlé vite et voilà. Donc, alors, faites pas la même erreur que moi, c'était pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Merci. Ouais, mais si j'ai envie d'avoir un rond bleu. Eh ben, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, tu débrouilles. Et on est d'accord qu'à la toute base, ça, c'est de couleur noire, et tu décides à vie que la barre est jaune, pas mais peut-être que la barre pas du tout. Ah oui, d'accord. Quoi qu'il arrive, c'était bleu. Alors, comment ça va se passer? C'est un jeu coopératif. Rofelos, tu vas être le premier joueur. Avec plaisir. Non. Oui. Axel, tu vas être le premier joueur à ne pas jouer. Ok? J'en veux quatre. Avec pas plaisir. Ouais, ça j'avoue. En fait, sinon, ça va. Non, tu vas être le premier joueur à deviner. Ouais. Au tout départ, on va avoir 5 coups de tampon. On aura 5 coups de tampon parce qu'il est écrit le numéro 5 ici. Mm-hmm. Et on va avoir 5 coups de tampon pour faire quelque combien chose que l'on va piocher. 5 coups d'accord. de tampon. 5. On va avoir 5 coups de tampon. 5. J'ai pas écouté, c'est quoi un coup de tampon, Tiens, tu peux le prendre parce que lui, il va pas faire de coups de tampon. D'accord, donc en fait, vraiment, tu veux rien me donner, quoi. Je joue pas, je. Ouais, mais toi, t'écris pas. Ok, mais écoute, t'es un peu notre capitaine, là. Ok. Tout va reposer sur toi, en fait. Ouais. C'est vrai. Toi. Donc, on va avoir des petits jetons. Là, j'ai un poisson d'avril, cache-cache, un trésor, un sac à dos, des sushis. Voilà, il y a plein de mots. On va en piocher un au hasard. Et avec 5 coups de tampon, on va devoir faire deviner à Axel le mot qu'on a pioché. Ensuite, en face cachée, on va donner à Axel nos mots et on en rajoutera un cinquième pour mettre un petit piège. D'accord. Et du coup, on doit faire 5 coups de tampon ou ou moins. On peut faire 4 coups de tampon alors, trop bien. Subtilité maximum 5 coups de tampon pour la première manche. Ensuite, Axel, tu pourras. Et du coup, mais toi, t'as pas de chance parce que tu joueras. Il y aura pas 5 coups de tampon. Il y a 5 coups de tampon. 5 cartes. Non, normalement. Pour 5 coups de tampon, il y a 5 cartes. Oui, il y aura tout le temps 5 cartes. Il y aura toujours 5. Ensuite, tu auras 4 coups de tampon, 3 coups de tampon, maximum. Mais si je veux en faire 2, tu peux, mais le chef, le maximum. Un coup de tampon, ça va être génial. En fait. Je vais rebondir sur, je vais te rebondir sur ta phrase. Du coup, à la première ronde, il y a combien? Je vais 5 je vais revenir sur ta phrase que tu viens de dire. Vas-y. C'est qu'en fait, par exemple, tu veux faire le soleil. Mm-hmm. Et ton rond, tu vas le placer peut-être ici, haut dans le ciel. Alors que si tu as le vélo, tu vas peut-être mettre une roue ici. Laisse-la finir. Donc, tu as peut-être un seul coup de tampon, mais ton emplacement sur la feuille et aussi, si tu donnes la feuille comme ça, ou comme ça, ça a un impact énorme. Okay. Et c'est pas tout. Parce que le coup de tampon, t'es pas obligé de le mettre entièrement. Exactement. Par exemple, je peux prendre et faire un demi-cercle. D'accord. Par exemple, je peux essayer avec le rond de... Des fois, j'y arrive et des fois, j'y arrive pas. Là, j'ai pas réussi. Des fois, tu peux essayer de faire que le contour. Pour les carrés, tu peux faire un triangle bleu, par exemple, si tu voulais vraiment faire un triangle, tu vois, en prenant que cette partie-là. Bon, là, je ne l'ai pas très bien fait. C'est compliqué. Ça marche bien, en tout cas. Hein. Mmh. Voilà, en tout cas. Vous allez voir, là. Mais 5 coups de tampon de la couleur de son choix. Évidemment. 5. Ouais. Exactement. Mais 5. Maximum. Mais 5. Okay. 5 coups de maximum tampon. 5 coups de tampon. Ok. Ok. Ça peut être 5 coups de tampon vert. Exactement. Mmh. Je crois qu'on est bon sur cette vanne. Allez. Alors, et donc, pourquoi je lui ai mis des putains de supports? C'est pour pas que vous encuyez mon tapis. Merci. Ah, ok, normalement. C'est comme ça. On peut pas te déchirer la feuille, on peut la plier un peu pour faire des trucs, mais après on doit la rendre droite. Et, Tiens. On doit lui donner droite. Ok. Et tu lui donneras dans le sens que tu veux. Ok. Je vous laisse piocher une carte. Pioche, hein. Bon, ça c'est pas taille standard par contre. Ah. Non, mais en vrai. Ah. Bah, bon, je suis censé dessiner ça, c'est un truc de ouf. Attends, mais comment? Ah, ça leur a coûté moins cher. Tu dois marcher dans ton imagination. Et je t'en donne une que tu ne regardes pas pour le moment. Je sais moi, pas. J'en ai faire. Pas. C'est bon, tout le monde en a. Tout le monde a... Hop. Ok, on rappelle. 5 coups de tampon. 5 coups de tampon. Après, t'inquiète pas, il fera aussi par déduction. Oh, j'ai une super idée, moi. Oh, elle va être trop bien, mon idée. Mais par contre, il me faut des tampons, là, c'est relou. Ouais, bah. Et du coup, je comprends pas en quoi c'est coop si vous faites chacun un dessin. Parce qu'en fait. On est avec toi. Notre but, c'est d'essayer quand même de te faire deviner quelque chose. Donc je dois trouver l'intrus en fait dans les à la fin, je dois trouver. Oui, il va dire OK, ça c'était le mot de moi, okay. C'est le mot. De... Non, okay. Tu vas voir, je vais le dire en fait, il faudra que tu retrouves les mots de tout le monde. Tu te dépêches avec ton rond. Oui, bah oui. Et il va me faire le rond aussi.
Mais j'ai pas compris, Max, t'as fait plusieurs coups de tampon pour une forme identique au carré. Oui, parce que j'ai... Mais tu verras. Ok. Pas après. Voilà, tiens. Mais en vrai, quand il regarde... Excuse-moi, le jeu est un peu biaisé, il devrait pas regarder, en fait. Quand il regarde quoi? Bah parce que là, s'il regarde les coups de tampon qu'on met, bah du coup, il va dire, ok, bah s'il y a plein de carrés, c'est Max. On s'en fiche de savoir. Mais c'est il va falloir qu'il doit deviner le ça. Peu importe. Peu importe. T'as pas compris qu'on a. Il s'en fout de savoir qui. Il s'en fout de savoir qui. On n'est pas en train de faire en face cachée là. Il s'en fout de savoir qui. Et en fait, l'idée c'est que comme on joue à 5, il on a. Il s'est maquillé. Il est reparti chez Max. Comme on joue à 5, ouais. Ok. On a le droit à 5 erreurs dans toute la partie. On en fera si pas. Jamais on fait moins de 5 erreurs ou 5 erreurs, on a gagné. Si on fait plus de 5 erreurs, on a perdu. Okay, si tu veux. De toute façon, Rob, je suis connecté à ton esprit. On l'a vu au jeu. C'est bon pour moi, j'ai fait mes 5 coups de tampon. Tu donnes la feuille avec tes 5 coups de tampon à Axel dans le sens que tu dois le faire. Ouais. Et tu lui donnes la carte ici. Ouais. Voilà. Du coup, ça, je sais que c'est ça. Et on les met. évidemment, les mélanger. Tiens. Et Dina, je veux bien ta carte, s'il te plaît. Dina, elle a ouvert son truc en entier. Oui, j'ai une belle carte de travail. De pas baiser le tapis, c'est bien. Fallait au moins ça. Attends, je vais dézoomer un peu parce que du coup les gens voient pas nos conneries. Ça ressemble à un bonhomme. C'est marrant. Je peux avoir ta carte s'il te plaît. Et tu le mets dans le sens que tu veux. Tiens, file-moi la boîte de Inkit que je puisse mettre le titre du jeu quelque part. Voilà. On va faire ça. On va faire ça. Ça ressemble moins à un bonhomme d'un coup là du coup. Tu vois mec. Il est allongé peut-être. Tu pourras pas rater. J'étais Inkit, ça va aller là. Nos dessins, ils vont aller là. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est je vais utiliser le zoom pour aller chez quelqu'un qui est en train de dessiner. Mais on verra ça tout à l'heure. Ok, effectivement, ça c'est direct. Hein. Ça c'est un trésor, ouais, ouais. Tu penses? Ouais, je pense. Ah oui, d'où le jaune, 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 jaune. Tu peux zoomer sur... Il a fait un tout Axel, petit bout de rouge au milieu. C'est ça, non? Là, il a mis du rouge, là, non? Oui, c'est la serrure. Oh, putain, tu lis dans son esprit, c'est incroyable. Ça me paraît bien aussi. Elle est énervée, Marie a fait la révolution. Est-ce que tu peux les mettre sous forme de carré? Genre. Ah ouais. Voilà. Mieux pour la cam. Bon, évidemment. Voilà, faire la révolution. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il reste? Et derrière, il reste. Ça. Dis-nous à quoi tu penses. Ouais, ouais, parle, à voix haute. Tes pensées. Bah là, justement, c'est un peu vide là. J'avoue que je vois les mots et je suis en mode what the fuck. Ok. Le Canada, de toute façon, je vois pas trop comment tu peux représenter ça en vrai. Ok. Donc. À moins que ce soit celui de Marie, la feuille d'érable. Pas de regard. De toute façon, j'ai pas de. Pas d'indice. Oui, non, mais je sais. Ouais, mais t'as tenté. Vous m'avez dit. T'as tenté. Vous m'avez dit. T'es une salope, Axel. Putain. Tu triches. Puis il y a la feuille d'érable du Canada qui est rouge et donc, du coup, bon, ça. Bon. C'est une feuille abstraite, peut-être. Mais ouais, alors peut-être que ça, c'est celui de Rof, un hôpital, genre un mec qui est blessé, qui est à terre, tu vois. Il a un problème, il a mal à la tête, il est tombé et voilà. Hôpital, du coup, je sais pas. Peut-être faire la cuisine. Peut-être, genre des ustensiles, j'en sais rien, je sais pas. Je sais pas. Mais entre le Canada et faire la cuisine, j'ai plus envie de mettre faire la cuisine, du coup. Et donc là, la fourchette, c'est vrai. Et donc là. Quand tu valides, tu nous dis et je vous explique comment ça se passe après. En fait, ça me fait penser un peu à, tu sais, un mec qui, tu vois, qui est un peu vénère. Ouais. Qui est... Ouais, donc, tu consultes en ce moment ou... Hein? Tu consultes en ce moment ou... Ouais, peut-être. C'est rien. Mais en même temps, rouge, tu vois, Canada, bon. Ouais, allez, Canada. On sait ça. Ok, là, on va prendre nos mains, on va faire comme un peu en roulant le tambour, et on va faire 1, 2, 3. Si jamais il a eu bon sur votre carte, vous levez la main, et si jamais il a pas eu bon, vous restez accroché à la table. Ça, c'est la règle? Oui. Ok. Si jamais il y a quelqu'un qui s'accroche à la table, eh bien, on perd un point, ok? 1, 2, 3.
T'es putain, sérieux, il était parfait mon truc révolution là avec la tête coupée. Mais j'aurais mis un hôpital aussi. Coupée. De quoi tu parles? On dirait qu'il a des bras. La tête coupée de quoi? Mais non, je l'ai mis au niveau de la tête. Et il avait la tête coupée, c'était parfait. Le mais dessin. Il a la tête sur les épaules. Mais de quoi on tu dirait parles juste qu'il a des bras et qu'il est allongé. Mais, oui. Mais parce que vous le voyez pas comme ça. Mais regardez les jambes, je les ai mis là. Sur les bras, je les aurais mis en dessous. En plus, t'as dit, je suis trop fier de mon dessin. Bah oui, il était trop bien mon dessin de la révolution. Ouais, pour un hôpital, il était bien. Il se fait couper. Est-ce que je sais? Est-ce que je suis au courant qu'il y avait un hôpital? Non. Bon alors, ok. Il fallait pas que tu mettes ça là. Le col pas de la mettre de la même couleur que son corps. Et je, non mais je coupe comment moi avec, bah, avec le truc mais que j'ai la tête je la mets plus bleu, loin. Tu fais un morceau de et tu fais un rectangle bleu avec un morceau de bleu. C'est triché moi j'ai un trait. C'est un pas triché c'est fait pour. Mais oui. Bon. T'as pas écouté les règles du jeu. En ah fait. Il était très bien mon truc là. On perd deux points. Après en vrai s'il n'y avait pas eu l'hôpital c'était mais bon. Mais lui aussi il est resté accroché. Et lui aussi. Mais lui il jouait pas. C'est pas pour moi d'appeler ça. Parce que j'avais envie. Le putain. Chat, c'était très bien ma révolution. Ah d'accord. Non, non, c'est à chier. C'est parfait. Chier, c'est parfait. Chier, c'est d'accord. Mais... Le Canada, j'ai eu chaud. Hein. On s'est regardé avec Marie. Pue sa mère. On a eu peur pour toi que tu bon, gardes la révolution. Ouais, après, j'ai capté à retardement. Tout le monde dit que c'est mais... à chier ce que t'as fait. Pas tout le monde. C'est éclaté. Pas tout le c'est bof. Éclaté. C'est pas bien. Ouais, nul. Bon, ouais, je suis allez, nul ça dégage. Donc là, je vais compter les erreurs ici. On a une erreur. Mais qui est plus d'Axel. Il n'y avait pas moyen de faire un truc sur du Velleda ou je sais pas quoi là. Bah comment tu fais avec les tampons? Bah tu fais un autre système de tampons, tu sais, tu fais un tampon d'encre. Bah je pense que ça n'existe pas. On s'en fout, il y a suffisamment d'arbres sur Terre, ça va. Oh, Rof. Il balade lui. On y va ou pas là? Oui, par contre on peut faire de l'autre côté. Bon, alors, verso. Et Marie, les points, on perd un point, on en a combien là, ici on a une erreur. Alors, oui. Attends, qui est faites attention, ça te rend les. Ouais. Ah oui, elle a expliqué ça. On a que 4 tampons. 4 tampons. C'est-à-dire que Max, il aura que un tampon pour deviner un autre truc. Oui. Je suis le. Oui. Mais facile, je suis dans votre esprit. Tu verras que c'est pas forcément plus dur. Bah, vous piochez une carte et allez-y. Et moi, j'attends. J'attends. Il y a deux pioches. Oh mince, pardon. Bon, bah tiens, Max. Ok. Salut, mon pote. J'ai 4 coups de tampon, c'est ça? Oui. Vous regardez pas ce que je fais. Là, peut-être qu'on. Ah, si tu zoomes sur quelqu'un. Je peux zoomer sur quelqu'un, ouais. Bah, attends, tu sais quoi, regarde. J'en ai un qui est parfait. Ah. Mais tout à l'heure aussi, c'était parfait. Qui a mis du rouge 4 sur le jaune? Tampon. Max? Bah non. Non. Peut-être parce que le truc était. Bon, allez, mais c'est non plus. Qu'on veut, qu'on utilise, je suis pas allé. Oh, non, tu vas sur le jaune avec tout le temps oh, le même putain. Tampon. Donc, Quoi? Quoi? Ah, mais tu fais avec. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ah, bah, dommage. c'est Dieu. Mais tu devrais même pas dire ça. Non, mais c'est. Ouais, non, mais... Il s'excuse d'avance. Parce que du coup, c'est une info. Non, à chaque oh, c'est je galère, fais un ouf. Petit rappel des règles parce que je vois que dans le chat, en gros, on a commencé avec 5 coups de tampon pour la première manche. La deuxième manche, c'est 4 coups de tampon, c'est marqué juste ici. Et pose aussi au lieu 3, de faire ça sur ton pouce. J'essaie deux, de. Mais fais ça là-dessus. Eh, pas tous en même temps. De 1, de 2, le fait de galérer fait partie du jeu. Oui. 3, vas-y Marie, on t'écoute. Tu faisais quoi? Je récapitule. Elle n'a plus rien à dire dans le chat, c'est bon. D'accord. Axel, reste là. Pourquoi tu le prends en ta main? Bah réfléchis deux secondes et tu sauras. Moi tout à l'heure je l'ai fait dans la il main. Il essaie aussi. De faire un truc. Tu peux? Ouais, je me rends pas compte. J'ai plié un peu. Comment tu fais pour faire une courbe sur un truc droit? Bah, tu prends le rond. Mais il veut pas mais faire il veut un truc la couleur. Ah, c'est la couleur. Voilà. Bon, alors, est-ce que je peux avoir le jaune en fait? Parce que putain, j'attends le jaune. Et moi, j'attends le jaune aussi. Il est bien ce jeu coopératif en tout cas, on fait des copains. Ça va être merveilleux. Tiens, le jaune. C'est vrai que par contre, en fait, il y a quelqu'un qui a fait à la manche précédente, qui a dû faire du triangle. Sur c'est un grand truc jeu. Rouge. Oui. Et moi. Du coup, bah, ça a mis de l'encre rouge sur le triangle. Et du coup, quand j'ai trempé le triangle là-dedans, ça a mis du rouge dans l'encre. Mais non, mais ça, c'est moi. C'était tout à c'est l'heure. Grand jeu. Ce que je dis, c'est que à partir de. Tu fais 10 games. Et en fait, non. T'as plein de couleurs dans les non, encres. Non, parce que en vrai, je t'assure que pour en avoir fait beaucoup, ça n'arrive quasiment pas souvent. Et en plus de ça, quand tu remets une petite goutte d'eau, ça repart. À la bonne pour couleur. Ouais, ouais, je te parle pas de le vider, je te parle, est-ce que ça mélange pas en trop vrai, les c'est couleurs c'est très très rare quand même. Chez lui enfin, on verra, mais. Ouais, j'ai un petit doute. Hein. Je te dirai dans. Et je pense que tu mets des enfants là-dedans, ton jeu il est baisé. Mais tu peux le nettoyer peut-être. Je suis pas sûr parce que les enfants ils respectent plus les règles que les adultes parfois. Merci. C'est bizarre, ça me rappelle. C'est parfait, chose. C'est parfait, c'est ce que je voulais faire à peu près. Ok. Si tu trouves pas, tiens Marie. C'est pas moi le problème. Bah, tout à l'heure c'était toi le problème. Hein. Tiens Marie. Merci. Je tiens, prends une carte en plus, je prends ta carte. C'est quoi ça? C'est notre erreur. Tiens Marie. C'est le contour des erreurs. D'accord. Est-ce que tu peux zoomer sur Marie ou c'est chiant? Je peux le faire. Non. Je te l'ai donné dans un sens. Comme ça oui.
Pardon. Calme-toi. Bah, oui, mais elle, tourner, elle va pas deviner si elle la tourne. Mon okay. dessin est tellement évident. Alors, ouais, attends, voici... c'est chiant parce que du coup, on voit mal. Et les réponses ? J'ai pas donné ma réponse. Pardon. Alors, nous avons un ananas. Nous avons de la terre à la lune. Okay. Nous avons le rugby. Okay. Nous avons un serpent. Okay. Et nous avons le Seigneur des Anneaux. Mmh. Ok. Ah. Pas de commentaires autour de la table. Là, par je pitié. Pense que c'est le rugby, genre c'est les poteaux, la balle. Ok. On est d'accord que tu t'es vomi à la mer. Je jure. Non, c'était le bloup de. Tu sais, le. Ouais, quand tu avales, ça fait gloup. Quand tu vomis, quoi. Ça, ça a l'air d'être un serpent fait par Maxildan. Vert, ça me paraît hyper ok. De la terre à la lune, ça me paraît bien fait comme ça. Peut-être j'aurais pas choisi ces couleurs-là parce que la terre, on dit qu'elle est bleue, mais why not? Et ça, ça a l'air d'être un ananas. Mais il nous a fait chier avec son ananas alors qu'en vrai, il aurait pris son truc comme ça, ça marchait très bien. Hein. C'est vrai. Genre, s'en foutait de ça courbé ou pas. Moi, courbé. J'ai envie de donner un point pour le style. Et du coup, moi, je validerai ça. 1, 2, 3. Mais c'était si un anneau, putain. Mais putain. Mais putain. Oh, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. J'étais pas à ta place. Franchement, je suis tombé dedans, mais... J'étais en mode, mais... Putain, elle est partie direct. Mais il est con. Ouais, bah moi, j'ai passé comme ça, je l'ai regardé en mode, mais il se fout. Ma carte doit dire, allez, 3 qui le tient. Wow. C'est bien. T'es content de ça, c'est bien, très bien. Bon, alors moi, j'ai 3 moi. 3 coups de tampon. Putain. Allez. Ah ouais. Allez. Il faut pas avoir plus de 5 erreurs, c'est ça? Oui, et pour le moment, on en a qu'une. Bon. En fait, c'est le nombre des joueurs, c'est le nombre d'erreurs, c'est égal au nombre de joueurs. Ok. Facile à s'en souvenir. Ça marche, ça marche. Tu regardes combien t'es. Oh. Attention, parce que si vous réagissez comme ça, je sais que vous avez un truc pas facile. Non, parce que ça veut rien dire. Alors. 3 coups de tampon. Hein. 3 coups de tampon. Coucou Xavier, le mauvais joueur. Ah, pourquoi ? Il y a eu une demande. Comme la demande venait de Florine, je l'ai faite. Mon père est un grand fan de jeux de société, il regarde toujours votre live. Regarde toujours mes vidéos, c'est drôle si vous pouvez lui dire un petit coucou Xavier, le mauvais joueur. Bah Xavier ! Bah alors Xavier, on est une merde ? Trop tard déjà. Le mec a rien demandé, il s'est défoncé en mode quoi ? Oh là là. Merci pour vos abonnements les amis. Ah Xavier, faut sub. Hein. Pardon, j'ai pas pris le papier moi. C'était en retard. Et j'ai pas pris de. J'ai rien pris en fait. C'est quoi ça là? Ah, c'est mon truc bonus. Je veux bien le temps. Le tamponnier. C'est le... la mienne. Ah, c'est la tienne? Ouais, je suis. Du coup, moi j'ai pas de truc bonus pour l'instant. Hein. Bah, ok. 3 coups de tampon là? Ouais, là voilà. Ça commence à devenir chaud. Comme ça. Dans ce sens là, Rofelos. Mais ça va. Non, mais bon. Tu comprennes bien. Allez hop. Tu me balances là? Prends ça dans ta gueule. Max, il me faut ton... Deux secondes. J'ai pas fini. Pour l'instant, t'as fait le Japon, quoi. C'est vrai. On est d'accord qu'on ne peut pas... Ouais, je peux faire moins. Je vais rien dire. Non, tu peux pas. Faire moins de 3, si tu veux. Ouais, on va faire un truc chelou, là. Vous voyez pas, mais... Qu'est-ce qu'il peut... Il est concentré, en tout cas. Ouais. Vous, ça a été? Ça va? Vous avez passé un bon moment? Non. J'ai l'impression que ça devient compliqué. 3 coups de tampon. 3 coups de tampon. 3 coups de tampon. Ouais. Hein. Tiens, je te comment donne ça. Comment je vois, dois le voir? Voilà. Comme ça. Et on va zoomer sur toi. Donne ta carte avant. Et donne ma carte. Et je vais mélanger. Non, ça, allez, non, ça c'est pas possible. Si, faites-nous des cartes au format standard, ne faites pas chier. Mais c'est un petit jeu avec des petites cartes. Ce format. En fait, t'as vite fait trop petit. Mais c'est trop petit. C'est t'as vite fait de. À la limite, t'as un mini standard. C'est la moitié d'un standard. C'est là, chiant. À chaque fois, c'est mais que ça des grosses fait moins cartes. De cartes. Oui. Et comme ça, tu peux avoir plus de mots. Ouais, pour ça, en fait, il y aurait okay, moins ça, de mots. Ça si j'avais besoin de votre avis, je vous l'aurais demandé. Mais on je le donne. On te demande pas la permission. Ce n'est pas ton émission. Bon, c'est parti. Max, c'est sur moi. Ça se perd facilement en plus. Max, c'est sur moi. Max, t'es en. 100% sur toi. T'es à l'envers, mais. Oui, bah oui, mais tu vas faire avec. Je. Il y a un ventilateur. D'accord, je vois à peu près. Il y a un chien. Bon, j'ai pas la gueule du chien, mais... Ok. Il y a faire du golf. Il y a
faire la vaisselle. Oh, Dieu, c'est... Je pense que c'est ça parce que c'est une fille. Il y a un coup de soleil. Waouh. Alors. Waouh. J'en ai un seul. Allez, monsieur l'intelligent, vas-y. Et le mien. Trouve. Ouais, moi aussi, j'en ai un et le mien, du coup. Bon, voilà ma réflexion. Je dis ma réflexion. Allez, vous n'êtes rien puisque je ne sais pas forcément ma réflexion finale. Ok. Et bien sûr. Faire du golf. Faire du golf. Faire du golf. Je ne vois pas pourquoi ce serait ça. J'en ai deux, du coup. Ça, ça peut peut-être être une sorte de... Le bâton, là, qui est au bout, machin, du green, peut-être. Ça... Attends, c'est une sorte de truc comme ça. Je ne vois pas pourquoi ce serait du golf. Et ça, ça peut être la balle qui dégage. Mais bon, je pense qu'il ne se serait pas fait chier à faire ça, c'était faire du golf. Ça, j'ai l'impression que c'est plutôt un ventilateur. C'est un truc qui fait du vent. Il a voulu représenter du vent avec le bleu. Ça peut pas être un chien, de toute façon. Ok, très bien. Faire la vaisselle. Ah, en même temps, faire la vaisselle, comment tu fais pour faire la vaisselle? Putain, je ne sais pas. Ça, ça peut être le soleil qui tape sur le corps en question. Ça peut être un coup de soleil. Un chien, si j'avais voulu représenter un chien, je pense que j'aurais fait un truc plutôt comme ça, quoi, avec une des pattes. Donc je pense que... Est-ce que j'élimine le chien? Ah, ou alors ça, c'est clairement un corps avec deux pattes. En fait, c'est sûr que ça, c'est un chien. Voilà. Faire la vaisselle, ventilateur. Ah, je me tape. Et faire du golf, c'est-à-dire qu'il y a forcément un truc qui a du golf. Un coup de soleil, ça, en vrai, on pourrait croire que c'est... Quelqu'un représenté avec un rond pour éventuellement mettre le coup de soleil. Faire du golf. Faire la vaisselle, un ventilateur. Ça, c'est un ventilateur. Ah, en fait, ça ressemble un petit peu à un ventilateur. Un truc qui serait avec un pied, tac, et un machin. Et du coup, j'hésiterais entre faire du golf ou faire la vaisselle pour ça. Faire du golf, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire autre chose. Donc, j'ai l'impression que ici, ce sera un coup de soleil. Parce que... je sais pas. J'avoue que je sais pas. En plus, elle me l'a mis comme ça. Bon, pourquoi elle serait comme ça? Alors, c'est peut-être faire du golf. Et du coup, ça, c'est un chien, c'est sûr. Un ventilateur, j'ai l'impression que... C'est pas trop mal, le coup du... On a voulu représenter quelque chose. En plus, on me l'a mis droit, donc je pense que c'est ça. Et faire la vaisselle, je pense que c'est le seul truc. Il a essayé de faire de l'eau, j'imagine. Et donc, je pense que c'est un truc comme ça. Donc, il y a celui-ci, je vais finir là-dessus. Est-ce que c'est plutôt faire du golf ou est-ce que c'est plutôt un coup de soleil? Elle me l'a mis, je ne sais pas qui a fait ça, mais elle me l'a mis droit. Pourquoi un coup de soleil, elle l'aurait mis droit? Pourquoi faire du golf, elle aurait fait ça? Faire du golf, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire juste un trou et basta? Coup de soleil, comment tu vas représenter un coup de soleil? C'est pas évident non plus, mais pourquoi tu veux le mettre droit alors que c'est plutôt quand on... J'hésite entre les deux, allez, je vais faire un choix, je pense que ça va être... un golf, est-ce que tu le fais comme ça? Allez. Je vais rester sur faire du golf. Alors, je te donne une précision, parce que je sens ce qui va se passer. Au moment où on va donner les résultats, fermez-la, parlez pas tous en même temps, parce que tout va faire... C'est parti. Bah ça se donne bien. 1, 2, 3, tout le monde en l'air. C'est le meilleur. Bien joué, mec. Donc, bien joué, Axel. Vas-y, expliquez-moi. Dans l'ordre. T'étais le chien. On peut quand même embrouiller que c'est une grosse merde. Oui, ouais, oui, là, il y a des trucs quand même. Ça, c'est le ti. Ça, c'est le ti du golf. Tranquille, tranquille. Justement, ce que je disais, c'est pas tous en même temps. 100%, c'est le ti du golf. Mon ventilateur. Marie, tu sais que t'as très envie de parler. Moi, j'ai fait ça. C'est le golf, parce que le golf, c'est vert, c'est l'air. Ouais, et le petit truc avec la balle. Oui, le ti. C'est le premier truc que j'ai dit. T'inquiète, Marie, c'est évident. Merci. Pas prof, mais c'est évident. C'était clairement c'est ça, c'est évident aussi. Évidemment qu'à côté, c'est donc un ventilateur. Parce que si elle fait de l'eau, quand tu fais la vaisselle, elle vient d'où l'eau? Elle vient du dessus, elle vient pas du côté. Et c'est peut-être moi qui suis con après, c'est rien. Putain. C'est peut-être ça. Et ça, du coup, c'était un coup de soleil. Bah oui. Bon, alors par contre. Le coup de soleil, par contre... Je serre la main sur ça, le coup de soleil, il pue ses bras. Mais tu veux que je fasse quoi? C'est un mec. Les bras et sa tête, il a pris un coup de soleil sur la tête. Oui. Pourquoi sur la tête? Pourquoi? Les coups de soleil, tu les prends souvent sur la mais tête. Mais parce que le rouge, il est rond, donc voilà, je l'ai fait sur je la tête. Je pense que pour faire un coup de soleil, moi, je dis ce que j'aurais fait une espèce de surface, tu vois, donc j'aurais peut-être fait deux gros coups de tampon jaune pour dessiner le fait qu'il y ait une surface de la peau, quoi. Et j'aurais mis un tout petit point rouge pour indiquer le coup de soleil sur cette zone, cette personne. Et en général, les coups de soleil, on les prend plutôt sur l'épaule. Ouais. Donc, je l'aurais fait genre
sur un coin, un truc à la con comme ça. Mais ça ressemble même pas à un corps. Tu vois, je vais sûrement faire un truc un peu. C'est trop gros. Ah ouais, ça. Oh bah là, et bah, je pense... Mais c'est évident. Et bien, je évident. Pense que tout moche que ce soit, c'est plus clair que ça. Non, et bah, tu as le droit de le penser et j'ai le droit de ne pas être d'accord. Et moi, le chat se soulève. Je l'avais, mais par élimination. Par élimination. Excusez-moi non, de vous mettre la pression, mais à cause de vous, on a perdu 3 points sur cette manche. À cause de nous. Excuse-moi. De toi. Pas à cause de moi, t'as trouvé. Axel, c'était pas. Par contre, le chien, j'avoue, masterclass. J'ai rien à dire. Et toi, tu te fous de moi. Ça, tu as dit un ventilateur. Mais parce que moi, j'ai un ventilateur qui ressemble vachement à un truc comme ça. Et donc, quoi. C'est les... bah, le mien, c'est une tour. Il y avait faire du golf, c'est l'air. Ah, c'est le team. Ouais, le golf. En fait, je suis parti par. En plus, oui. Je suis parfait comme ça. Tu penses pas assez aux couleurs. C'est que non, ouais. Si elle avait voulu, si elle avait voulu faire une tour, elle aurait pas fait une base verte. Mais oui. Ouais. Le vert, aucun intérêt de faire une base verte. Mais oui. Non, mais plus j'y repense, plus je pense que vous avez raison. Tant mieux. Non, tu sais ce que j'aurais fait. Et mon coup de soleil. Mais alors. Mais non, c'est ça qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il y a? Que t'es bête. Que je suis bête. Oula. Il fallait faire un trou avec un truc et le petit drapeau. Ah ouais. Mais ça marchait aussi. Bah non, parce qu'au golf, le trou, il est pas triangulaire. Et moi, ça m'a fait. Mais ça c'est représente la pelouse. C'est pas le trou, c'est la pelouse. C'est le grid. Mais du coup, c'est quoi le truc jaune? C'est le tee et la boule. Le petit truc, quand tu vas jouer au golf, tu mets la boule sur un petit truc. Je crois que c'était le drapeau. C'est ça. Mais oui, c'est le tee avec la boule. Alors ça, par contre, c'est trop. Mais non, je l'ai vu. Je l'ai vu à 10 km. C'est trop précis. Je l'ai vu à 10 km. Alors, je pense que c'était plus simple de faire 2 zones vertes et 1 en rouge et fin. Parce que mettre le truc qui est en dessous, en fait, quand tu as peu de choses. Oh le boulet. T'en as mis sur le tapis. Il a pris le jaune pour faire du rouge. Ah, c'est pas grave, ça m'en fout. Ça n'en est rien à foutre. Ça, je m'en tape, mais comme de l'an 40. Bon, bref, t'as compris. Une grosse bêtise alors. Qu'est-ce que je disais? Oui, je pense que quand t'as très peu de coups de tampon, il faut mettre le moins de détails possible. Et je pense que tu es sous la. Mais moi, ça me paraissait pas beaucoup, tu vois. C'est un détail de ouf. Le golf, c'est. Une balle, un gazon, fin. Oui, enfin bon, moi je l'avais, Axel ouais, l'avait. Moi aussi j'avais, direct. Ah. Théo m'a répondu, on aurait pu mettre un rof quand même. Donc ça n'a rien à voir avec toi. Ouais, et il n'a même pas fait l'effort de mettre le rof. Ouais, mais on se sait. N'importe quoi. Bon bah du coup, et voilà, il du est coup, noir, là, ça il aurait pu mettre un ROH2F. Ouais. Ça aurait fait la blague. Tiens. Oh non, deux, je le sens mal. On va faire 2 coups de tampon pour Dina. Je vais me faire embrouiller, je pense. Allez. Ah, tu pourras pas faire pire que moi. Ouais, j'avoue. On a perdu 3 points là. Ouais, là, on a le droit qu'à une seule erreur. Vous avez un peu cherché. Je dis pas pour le ventilateur, Max Hildan, je te présente mes excuses. Ouais, surtout que tu l'avais au début. Oui, j'ai pas compris pourquoi t'as changé. Il est pas, en fait, je sais pas pourquoi. Et il y a quand même un mec qui dit, et là, je suis en mode désolé, mais c'est pas si simple. Golf égale balle plus trou terminado. Ouais. Bah, tu vas faire 2 ronds rouges, et bah, bonne chance. Ouais. C'est pas si simple. Ouais, mec, mets-toi à notre place. Non, c'est sûr. Donc là, attends, Marie, je ne peux me tromper qu'une fois, c'est ça? Oui. Ouais. Sinon, c'est perdu. Enfin, essaye de ne pas te tromper parce que. Ok. Ah oui, ça, en fait, tu peux pas te tromper. Ah, ok. Ah, d'accord, elle ne peut pas te tromper. Si elle se trompe, c'est pas on a moi perdu. Qui dessine. Non, parce oui, que je sais. Crois ah, que c'est le bonus. C'est random. Est-ce qu'on a 5 vies ou est-ce que c'est à 5 qu'on perd? Regarde. Putain, on connaît pas les règles. Je le fais, tu dessines. Tu dessines. Qu'est-ce qui se passe? Il est où mon truc? On a 2 coups de tampon. Ah, oh, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est clairement pas beaucoup. Ouais. Il peut y avoir au maximum 1 erreur par joueur. Si vous dépassez ce nombre d'erreurs, alors vous avez perdu. Donc on peut encore faire 1 erreur sans perdre. Ok, j'ai une super idée. Ouais, super. Vu tes idées depuis le début. Oh non, ça c'est bon, j'ai gagné. Ok, je crois que c'est bon. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. J'ai frotté. Tu n'as pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit? Mais t'as pas le droit de frotter. C'est un coup de tampon. Ouais, c'est un coup de tampon. Putain, bordel. Bon bah, genre. Elle l'a précisé. Elle l'a précisé. Bah, je vous montre ce que j'avais. Non. T'as d'ailleurs. Oui, bon, mets un message en dessous, s'il te plaît, pour pas enculer. Ouais, grave. Ouais, mais pourquoi j'ai plus mon truc moi? Ah, parce qu'on a dû tourner. On le fait tourner. J'avais la colère. C'était sympa. Je faisais un truc un peu. Bon chance. Je rigole. Bon, on sait pas la colère. Merci. Alors là. Dans le sens, si tu trouves. Précise-moi le sens, s'il te plaît. Ah bah, c'est dans le bon sens. Ouais, parce que là, mais à coup le pain. Ça peut être tellement. Je suis désolé, mais je sais pas comment faire mieux que ça. Après, pardon. J'ai juste pris le jaune et il a fait 2 coups comme ça. Déjà, bravo parce que t'as couvert beaucoup de surface en seulement 2 coups de temps. Ouais, bah, c'est les rebords du. C'est bon là. J'ai forcément le sens. Tu vas le trouver du premier coup, meuf. D'accord. Il est où le rouge là? J'ai bien envie de répondre. C'est quoi celui-ci qui est là? Dégage-le au pire. C'est pas ce que c'est. Ok. Dans cet dans ce sens, il n'y a que du jaune. Ah. Ok. Alors là, si tu l'as pas,
Oui, bah, excuse-moi, toi, tu étais mal placé pour parler, Rophelos, vu la prestation que tu viens de faire. Grave. Moins 3 grâce à lui, tu sais. Vraiment, t'es mal placé. Hein. Ok, Dina. Ah, t'es satisfait ? Parfait, parfait. Ok, parfait. Il est où mon truc, c'est ça ? Essuie peut-être un peu le... oui, c'est ça. Ce qu'il a mis dans, sur okay. du rouge. 2 coups de tampon, et voici le résultat. Alors, on a un cactus. Là, mais les par là, t'es oui, non, mais j'essaye de voir si j'en vois un de tout de suite qui me saute aux yeux. Non. C'est qui a fait ce torchon hein. C'est une erreur. Ah bah, Axel, peut-être c'est peut-être ça. Une erreur, peut-être off. Je vais le laisser là. Ça ne me dit absolument rien. Le rouge pour erreur, ça me paraît pas mal. On va voir la suite. Une bibliothèque. Marie Grandjeu, incroyable, je pense. C'est, pour moi, c'est une bibliothèque que je vois ici. Voulez-vous aussi. Un nid. Alors, est-ce que là, il a essayé de faire la pelouse et du coup de dire bah il y a quelque chose qui se passe en haut, le nid. Pour l'instant, je le mettrai ici. On va voir. Et fermé à clé. Alors là. Alors, la bibliothèque, je suis 100% sûre, je vais valider de sûr. On va dire que parmi les propositions qui restent, je vois pas ce truc-là être autre chose que le nid, parce qu'une erreur, j'aurais fait plus simple. Cactus, ah attends, le cactus, parce que ça c'est le soleil et ça c'est le cactus. C'est possible que ça, ce soit le cactus. Parce qu'un cactus, c'est vert. Et le soleil qui chauffe, il n'a eu que 2 coups de tampon. C'est possible que ce soit ça aussi. Et fermer à clé, non. Donc là, c'est soit le nid, soit le cactus. Je vais garder Axel en dernier parce que... Excuse-moi, hein, mais bon. Alors, Rof, il était fier de son truc. Ça ne peut pas être un cactus parce qu'il aurait mis du vert. Est-ce que ça pourrait être un nid ? Qu'est-ce qu'il veut dire par une erreur ? Il a mis quelque chose en dessous, il l'a barré, il a enlevé le truc qu'il y avait en dessous comme c'était une erreur. N'est-ce pas, Rof ? C'est ce qu'il y avait dans ta tête ? Non, c'était un cactus. Donc, je vais valider l'erreur ici. Enculé originel. En vrai, je pense que... c'est pas rouge. J'hésite vraiment entre les deux ici, mais alors qu'est-ce qu'a voulu faire Axel ? En même temps, s'il a eu fermé à clé... Fermé à clé en 2 coups de tampon. Parce que là, il a essayé de faire quoi ? T'as fait un mini rectangle. Et j'ai hâte d'avoir celui en 1 coup de tampon. je vais me régaler. En vrai, ça peut être facile. Ça pourrait être le nid parce que t'as fait juste voilà, plein de branches qui sont jaunes, donc t'as fait un nid. Ça peut tenir la route. Il a peut-être fait des barres pour faire un nid bar. Pourquoi j'aurais mis une barre ? Pourquoi je rigole à ça, putain ? Une barre. Et je vais valider plutôt le cactus ici pour le vert avec le soleil rouge du désert. Il fait chaud, il y a des cactus. Je valide. Compte. 3, 2, 1. Ouais, ouais. Bien joué, Dina. Et bah, franchement, Marie, bien joué. J'étais persuadé qu'il y avait une erreur. Moi aussi. Que moi je pensais que l'erreur, c'était fermé à clé. Oui, parce que, en fait, si tu regardes une serrure vue de face avec la clé dedans, ouais. T'es en mode, ça marche carrément. Donc moi, quand j'ai vu erreur, j'ai fait, oh, mais c'est parfait, je fais un truc, je le barre, c'est nickel. Ouais. Et là, je vois fermé à clé, je fais... T'as commencé à stresser. Pourquoi pour erreur, il y avait quand même un truc genre... Et une croix, d'accord. Une évidence, ouais, une croix. Et donc moi j'aurais été persuadée qu'il avait mis fermé à clé parce que je me dis erreur il aurait mis une croix. Ouais. Écoute, mais heureusement je me suis connectée à Rof. Oui. Bah, et nous avons joué parce que moi jamais j'aurais fait ça. Hein. Du coup désolé pour le nid. En fait, j'essayais de faire un truc un peu, tu sais, arrondi à la base. Ouais. Et puis, c'est parti en couille. Ça fait plusieurs fois que t'essaies de faire des ronds avec la barre. Ouais, la barre, c'est pas... Le jaune, en même temps, tu vois, les petites branches, c'est bon. Voilà. Oh, cette bibliothèque de 2 livres était magnifique. Ouais, la bibliothèque. Ouais. Franchement, incroyable. Prof de ouf. Bravo, incroyable. Excellent. J'ai vraiment hésité, mais c'est que je fais un livre et tout, je me dis non, vas-y, avec le petit livre qui penche un peu. Ouais, bien, ouais. C'était très bien, propre. Bonne chance. Et là, en plus, faut qu'on fasse. Eh, hey, l'histoire est très belle. Hein. Si on fait. Si on gagne 0 erreur sur le 1, on a le droit à une erreur. C'est ça, hein. Ouais, on aura une erreur. On a le droit à une erreur, donc c'est faisable. One coup de tampon, réfléchissez bien à l'endroit
Ouais, à l'endroit, à la couleur. Sur la feuille, obligatoirement. Vous savez quoi, moi, je regarde même pas qui a fait quoi. Okay. Parce que je trouve que ça devrait être ça, le jeu. J'allais dire, pour moi, le défaut, c'est je trouve qu'on devrait pas savoir qui a dessiné quoi et tout. Il y a trop d'indices et tout. Quand il y a des jeux à information cachée, je suis désolé, ça nique un peu le fun, mais pour moi, ça fait partie du jeu de, un, fermer et deux, cacher vraiment les informations, quoi. Bref, je ne regarde pas. Regarde pas. Sinon, c'est trop facile. Je prends le temps de la réflexion, parce que... Un coup de tampon. Ce sera pas de ma faute si on le fait. Bah ça dépend parce que je te rappelle que les 4 erreurs c'est toi. Ça c'est vrai. Là c'est parce que quelqu'un s'est gouré sur toi. Donc, ouais. C'est pas moi. Et là c'est toi. Et là c'est vous. Oui. C'est ça que je vois. Ouais. Et la seule bonne réponse c'est quand les personnes font un truc pas logique sur t'as toi. T'as donné ton truc. Ouais, c'est clair. Bon, Ferreux, si c'est 19h, effectivement, Max va vous. C'est bon. Ça va être très bien. De toute façon, ça va être comme ça. On est pas mal curvé. Attends, mangez ça avant pour que tu puisses. Oui, non, attends, j'ai mis un random. Mais c'est le mien. Ah, c'est le tien. Ok. Attends, t'es sûr qu'il y en a bien 5 du coup. Faut que 1, 2, 3, 4, 5. Les mélanges. Allez, allez, Max. Tu peux créer l'histoire. Une erreur possible, juste pas plus. Comment vous avez fait ce truc-là? Tu peux ne pas tamponner. Ah oui, du coup, ça fait le contour. Mais il faut du talent, quoi. Moi, j'en ai pas. Ouais, exactement ce que j'essayais d'avoir tout à l'heure, mais... Et ça va pas marcher. Ouais. Non, mais c'est passé, Axel. Oui. J'ai vu bon. Dans ton nid. T'inquiète. Allez, Max, il donne. Bien joué. Allez, Max, tu peux le faire. J'ai donc le choix entre... entre deux ronds et deux carrés. et bleu et rouge. Des bonbons. Une usine. Un fantôme. Des jumelles. Ou un feu d'artifice. Alors. Le mec qui a eu les jumelles avec un coup de tampon, c'est quand même pas chat. Okay. Je pense que c'est pas évident. Waouh. Là, allez, c'est chaud. Hein. C'est très très dur. Je vous dis un petit peu ce que j'ai en tête. Vas-y, vas-y. J'ai l'impression que sur des jumelles, ça pourrait fonctionner ici, où il aurait fait qu'un seul des deux ronds de la jumelle, ça pourrait éventuellement se faire. Le feu d'artifice éventuellement pourrait être ici parce qu'il est en haut, très haut dans le ciel, et que donc il y a du sens avec ça. Ça pourrait aussi être des bonbons, ici. Est-ce qu'il aurait fait ça pour des bonbons? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai cette possibilité-là. Une usine, parce que ça ressemble un peu à un hangar, le bordel, avec une porte. Mais du coup ça ce sera un fantôme et franchement je vois pas trop le fantôme là. Ça marche aussi ici le fantôme parce que on dirait presque un drap blanc et puis tu sais, il est à moitié effacé donc ça marche aussi ça vu la qualité du bordel je pense que c'est Marie-Angeux qui a fait ça et je la vois bien essayer de faire un fantôme sur ça essayer de faire un truc le bleu du... ouais je sais pas trop je regarde pas au visage. Non. Bon. Ah là, c'est dur parce que les jumelles, je vois aucun monde où c'est une des deux là. Et je vois pas pourquoi elle l'aurait mis en haut ici. Un télescope, je me serais posé la question, mais là, non. Donc, jumelles bonbons, je reste bloqué là-dessus. Et là, ah, je reste un peu bloqué sur ça, même si je trouve que ces deux-là fonctionnent là. Ces deux-là fonctionnent là, et celui-là fonctionne là. J'ai envie de garder le feu d'artifice pour ça. Ok. Et là, il y en a un des deux qui est faux, et qui va là. Un des quatre, qui va forcément là. Est-ce que ça peut être des bonbons? Sur un carré bleu, je vois aucun monde. S'il y a un con qui a eu bonbon et qui a fait un carré bleu, il pète la gueule, d'accord? Ça, c'est très clair. S'il y a un con qui a eu des jumelles et qui a fait un carré bleu, j'y pète sa gueule aussi. Donc, ce qui est sûr, c'est que ça doit être ça ou ça. Après, des jumelles vu de profil. ça doit être ça ou ça. Je pense que ça va être ça. Et je pense que... Pouah, putain, des bonbons, machin. Et en même temps, en un coup de tampon, si j'avais eu des bonbons, j'aurais fait quoi? Je pense que j'aurais fait un truc net bien au centre, en mode, c'est un putain de dragibus, et terminé. Et des jumelles, est-ce qu'on aurait pu faire les jumelles autrement? Des jumelles... Ah putain, vraiment, c'était horrible de tomber sur ça. Je réfléchis, je pense que peut-être jumelles, on aurait fait le contour du rond et peut-être pas juste le rond. Là, c'est vraiment un... Je vois que c'est un rond genre bien appuyé, sa mère. Je tentais le bonbon.
Et je pense que c'est ça. Attends, juste après, ce serait rigolo que tu dis attribue les dessins aux gens. Ok. Compte 3, 2, 1. Bien joué, mec. On a gagné grâce trop à moi. Bon, grâce j'avais à... la bonne réflexion. Je vais essayer de vous donner les dessins. Okay. Je pense que le fantôme, c'est Marie Grandjeu. Je pense que le bonbon... Je pense que le feu d'artifice... Alors c'est faux, hein, le fantôme, c'est l'air moi. Ouais. C'est toi ? Oui. Bah, c'est bien, c'est plus intelligent qu'on ne l'aurait cru. Bien joué, franchement bien joué. Et du coup, je pense que le feu d'artifice, c'est dur parce que là c'est un peu facile tout. Hein. Non, je vais dire le feu d'artifice, ça va être Axel parce qu'il est plus appuyé que les autres, donc il y a eu trop de force. Et non, c'était moi. Trop de force, Marie. Trop de force, et Marie. Donc Axel, ça va être des bonbons. Oui. Le bon coup et l'usine, de l'usine, bon, c'est carré qui est mal fait. Ouais. Mais ouais, t'as même pas pu toucher le sol. Bah non, mais j'ai essayé de faire le sol. Je voulais pas abîmer le truc et du coup, je me suis dit merde. Par contre, les jumelles. Non mais les jumelles. Waouh. Je pense qu'il l'aurait fait. Il l'aurait fait, tu sais, genre sur le côté. Je pense que t'aurais pu te dire ça. Ouais. C'était vraiment alors, milieu. Alors, on sent. Ouais. Moi, je pensais quand, je sais pas quand vous avez fait ça. Tout le monde était d'accord pour ces trucs. Ouais. Moi, j'étais en mode. Je pense que les jumelles, il a tort parce qu'un bonbon, j'aurais pas fait. Enfin, effectivement, quand t'as dit oui au centre, je sais pas si j'aurais fait au centre, mais en tout cas, les jumelles étaient juste décalées d'un petit peu, comme s'il manquait de quoi c'est faire. C'est n'était pas tout à fait au centre. Non, je pense que tu l'aurais fait plus décalé comme ça, tu vois. Ouais. Ah non, parce que quand t'as des jumelles décalées comme ça, décalées comme ça. Oui, il a raison, Max. Fallait essayer de faire juste le. Ouais, mais c'est pas facile. Bah, tu vois, c'est franchement, des jumelles, je serais tombé là-dessus. Oui, mais tu vois, si j'étais tombé là-dessus, j'aurais jamais dit le bonbon. Oui. Et c'est un 3-0 de la part de Marie Grange. Excellent. Ouais. On a enfin gagné, les autres. Ouais. Ça fait bizarre. Pourtant, j'ai tout fait pour ne pas gagner. Ouais. Il a tout fait pour nous saboter et ça n'a pas marché. C'est vrai que les 4 erreurs sont liées à toi, Rofilos. Les amis, aujourd'hui, nous avons joué à Ink It. Nous avons joué juste avant ça à Stop Me or Let Me Go. Et enfin, en tout début d'émission, nous avons joué à Little Taverne. Des petits jeux d'ambiance sympathiques. Vous l'avez vu, on s'est bien marré quand même autour de cette table. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ça change un petit peu des jeux qu'on fait habituellement. Puis c'était cool d'être à 5 autour de cette table. Oui. Merci d'avoir été présent. Dina, où est-ce qu'on te retrouve ? Sur les réseaux, je suis @TheFerryDina, en live dès demain pour couvrir la conférence Ubisoft où j'espère l'annonce d'un nouveau jeu Just Dance. Ce serait vraiment une surprise. On se retrouve à 20h30. Rof, on te retrouve de 22h à minuit. Ouais, normalement, il y a des chances que je fasse ça ce soir. Ouais. On va sûrement faire un peu de pixel board avant que ça ferme. Évidemment, Marie. On me retrouve principalement sur Instagram à marie.grd.jeu et sinon ici pour jouer à des jeux de société. Ouais. Axel, eh ben moi on ne me retrouve pas. On se voit là. On se voit jamais. Jamais, ouais. Bande de fumier. Philippe, je sais où tu te caches. Axel, vous retrouvez évidemment ici autour de cette table pour passer de bons moments tous ensemble. Quant à moi, je vous retrouve d'ici quelques minutes à 19h. Il y a la conférence Xbox. Il y a eu beaucoup de déboires chez Xbox. Puis on virait plein de gens. Ils ont fermé des studios et tout le monde se dit mais qu'est-ce que vous branlez ? Vous êtes milliardaire. Arrêtez de faire ça. Et donc on attend des réponses et on va voir un petit peu leurs réponses. Ça va être la première prise de parole du patron Xbox depuis qu'il y a eu tous ces trucs là. Mec il est en silence radio depuis ce moment là donc on attend de voir un petit peu ce qu'il a à dire. Ça va être un moment intéressant. Et puis si vous êtes un tout petit peu fan de Call of Duty, il y aura juste après la conf Xbox un grand pan Call of Duty. Black Ops. Il y a un monde où moi dès que ça parle de Call of Duty je vais me casser et couper là puisque j'en ai rien à foutre. Pas que j'aime pas le jeu, mais qu'est-ce qu'on attend d'un Call of ? Des mecs qui tirent en mode multi, bon super. Et un mode zombie, super. Et Warzone. Apparemment, ils vont remettre le mode zombie de l'époque qui était un peu Je pense que ça fera très plaisir à tous les gens qui attendent Call of Duty. Je pense que si t'attends pas Call of Duty, t'auras pas de surprise dans cette conférence. Et on va faire le foot. Hein. Voilà. Donc, ça va pas m'intéresser énormément, mais par contre, la partie Xbox m'intéresse. Ce sera donc à 19h. Je vais marquer une petite pause pour souffler un coup, manger une connerie et boire. Et je suis de retour dans ce studio, je fais comme la dernière fois, je mets les confs sur les écrans, on va se régaler, tout ça, tout ça. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents autour de cette table. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur discord.gg/maxildan pour trouver des joueurs et des joueuses près de chez vous avec les channels par région. Achetez vos jeux chez Playin, protégez-les avec Game Genie et revendez vos cartes à l'unité sur Card Market. Je vous retrouve dans quelques instants et évidemment, tout ça est disponible sur YouTube. On vous fait des bisous. Ciao tout le monde. Ciao. Bye. Ciao.